Pou, pou, pou. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Interception de la contrebande. On a eu un tuyau sur l'endroit où était cachée une grande quantité de contrebande. Les contrebandiers ont enterré les caisses dans le cimetière à un moment donné. Allez-vous aider à intercepter la contrebande? Objectif, sortez avant que le temps ne soit écoulé. Trouvez l'endroit où la contrebande est cachée. Vous aurez besoin d'une pelle pour la déterrer. Faites attention aux hommes d'Oberankov. Ils peuvent traîner dans les environs. Ok. Oh putain, je dois aller où? Est-ce que j'ai une pelle déjà sur moi? Oh, ça commence très fort. Hein. J'ai des armes sur moi, j'y vais. Ni une ni deux, j'y vais. Oh, on est parti, je prends la caisse. Bonjour camarade. C'est mieux que la caisse soit déjà légèrement... Je vais allumer les feux. Je vais pas y aller en sirène parce que sinon, on va se faire cramer. Oh, j'aime bien quand il y a des missions comme ça. Je dois aller où, au cimetière? Je fais quoi? Je fais droite, gauche et... Non, je fais gauche. Je fais gauche toute. Je longe la route. J'ai pas la place. Oh, c'est vrai, est-ce que je devais pas me vider? Je vais me vider. Je vais rapido me vider. Hop. Ouais, parce que 4 minutes, on aura le temps. Sortez avant que le temps ne soit écoulé. Non, mais attends, mais du coup, je vais avoir aucun temps pour... Non, pas me vider comme ça. C'est vrai, pardon. Pardon, il y a des mots à... Non, il y a des mots à faire attention. Je suis là, je fais pas attention, je peux en vouloir qu'à moi-même, quoi. Ok, genre une fourche. Et j'ai deux pelles, en vrai, c'est parfait, deux pelles. Tu vois, j'ai déjà ça, on s'en fout. Je pense que comme ça, on est bien, tu vois. J'ai de quoi faire, en vrai, j'ai de la place, il y a plus de contrebande que ça, bon bah, c'est la vie. Hein. Je peux te vider dans la voiture. Ah, je peux mettre dans le coffre? C'est vrai que je pouvais mettre dans le coffre, je crois. C'est vrai qu'on avait pu faire ça à un moment. Allez, on est reparti, là. Feu éteint. Ok, on démarre. 3 minutes 25. Oh là là, je vais pas avoir le temps. Oh là là, ça va être... Eh, ça va être tout juste, hein. Ça va être ric-rac. Tu sais que tu peux conduire à la troisième personne. Oui, mais il y a beaucoup moins de charme. Parce que le charme du jeu, c'est quand même de plisser les yeux et de rien voir et de se dire « Putain, merde, il y avait une caisse face à nous, tu vois. » Quand il y a des embuscades, je peux passer en troisième personne, mais... Moi, je suis là pour être un douanier. Je mets les mains dans le cambouis, quoi. Sinon, j'aurais pas choisi un poste de terrain. J'aurais été un bon bureaucrate. J'aurais rempli de la paperasse administrative. Ah, je suis là, je suis dans le maquis, moi. Je suis comme ça. On se refait pas, hein. Voilà. Oh là là, oh là là. Oh, les pneus. Tu vois, on vit... Oh là là, oh là 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 là. Y a rien qui va, putain. C'est vrai que cette caisse, je commençais à la voir un peu bien. Après, j'ai commencé à jouer avec le feu. Mais tout va bien. Tout se passe. Par contre, je fais le tour hyper large, là, non? Attends. Ah oui, c'est bon, c'est là. Ah, mais il y a une sortie de map à gauche. Main dans la merde. C'est tout moi. On est là, merci. Oh là là, Xemeco, merci pour le sub. Dégage! Oh putain, j'ai une mission timée, parce que le dégage, honnêtement, il est à deux doigts de pas passer du tout, quoi. Et celui-là, là. Heureusement qu'il me fonce pas dedans. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre les sirènes, parce que les sirènes... Dès que t'actives les sirènes, les mecs vraiment se foutent dans le ravin pour toi. Et ça, c'est quand même un certain plaisir, quoi. Ok, c'est ici la contrebande enterrée. Oh putain, il y a des gardes et tout. Oh putain, comment j'y vais? Faut que je les tue? Elle est où la contrebande? Oh là, ça va être une mission cata, là, je sens. Est-ce que je peux passer par-dessus, là? Oh putain! Je pensais pas qu'il m'avait vu. Oh là là, putain, mais je suis... Il me reste des balles, bien sûr, je suis professionnel. Mort. Attendez, lui, je vais le rush, lui. Hop, je me permets même un petit switch. Oh putain, la vache, le switch Valorant en fin de live. Ok. Je voulais bosser un peu. Ça a pas hyper bien... Oh, mais là, je peux pas récupérer sa mitraillette? Ah, elle disparaît direct, putain. Non, c'est vrai que le noscope, il est pas hyper conseillé quand même. C'est pas un truc de fou, quoi. Bon, par contre, pour le coup, ils avaient pas mal de munitions quand même. Hein. Ça, j'ai chant, alerte cobra. Putain, comment c'était bien, alerte cobra. Mais du coup, attends, parce que c'est où la contrebande, là? Ah, mais je suis juste dans un caveau, là. Mais c'est pas du tout l'ambiance, en fait. C'est ici la contrebande enterrée. Mais elle peut être partout. Enfin,
pensez que c'est comme ça, vous? Petite lampe UV? Parce que la contrebande, ils l'ont mis où, genre? Non, mais là, il y a zéro contrebandière, là. Hein. Là, c'est... Je pense que c'est sur un truc un peu frais, moi. Tu vois, là, on est encore une fois en zéro contrebandière, là. Là, je suis juste vraiment en train d'ouvrir des tombes, quoi. Ah, bah, c'est horrible, là. Il y a des morts en dessous, là. C'est... Peut-être là, quand même, là. Non? Je me dis qu'il y a peut-être une info, quand même. Peut-être après un caveau, hein. C'est vrai que ça fait un truc un peu mafieux de mettre ça dans des caveaux. Saisissez la contrebande enterrée. Ouais. Putain, heureusement que j'avais plus de timing pour le faire, parce que la mission... Ça, j'ai déjà vu, non? Je crois que j'ai déjà vu ça. Moi, j'imagine bien un truc un peu visuellement, un peu plus facile d'accès, quoi, tu vois. Où les mecs... genre ça. Ça, par exemple. Voilà. Oh putain, eh, obrario! Oh merde. Pas simple de mettre la tête, hein. Ah, mais là, je suis aux pompes, là. On s'était déjà dit que c'était une mauvaise idée, le pompe. Ok, mort. Y'en a d'autres? Oh, il est là. Oh putain, je dois recharger. Je laisse aucune chance. Non, mais le truc, c'est que je leur laisse aucune chance. Y'a un moment où... Je pense que la résistance va juste rentrer dans les rangs parce qu'ils vont se dire, c'est pas possible, y'a un douanier. Le gars... Juste, c'est imbérable. On peut pas l'arrêter à chaque fois qu'il est en mission. Dès qu'il est en mission contre nous, inarrêtable. Ah, juste là. Juste là, parce que c'est quand même... excusez-moi, c'est un peu une attitude un peu de pince, mais... C'est quand même important, mais du coup... Ah, mais c'est tout? Il n'y a pas, du coup, de contrebande? Ah, faut que j'en cherche d'autres dés comme ça, quoi. Parce que c'était vraiment ça, l'idée, pour moi. Ah, mais après, non, je vais pas détériorer, là, c'est... Excusez-moi, reposez en paix, monsieur. Ah, c'était sûr qu'ils allaient revenir. On les connaît, hein. Oh, je vais passer par là. Je recharge. Merde. Oh putain. Mort. Oh, j'ai loupé. Putain, non, mais c'est terrible. Oh, meurs. Bon, mourez tous en paix. Oh, c'était terrible ce qui s'est passé, excusez-moi. Non, il y a eu un vrai problème, là. Il y a eu un vrai problème d'incompréhension. Ah non, c'est encore une pelle qu'il faut. Oh merde, elle est cassée, heureusement j'en ai une deuxième. Ah mais non, il faut juste l'ouvrir, en fait. Oh là là, y a rien qui va. Hein. Drogue. Ok, j'ai pris une drogue. C'est bon. Non mais déjà, je vais recharger toutes mes armes. Parce que ça, c'est vrai qu'à chaque fois, on se retrouve en situation où y a rien qui va. Y a plus le cadavre du mec, si. Peut-être quelques... Voilà, comme ça. Tranquillement, ça c'est sympa, ça. Et là, pourquoi pas. En tout cas, les mecs, ils ont... Oh bah non, vraiment sur le gong. N'empêche, ouais, ils ont quand même un nombre de... Ils sont nombreux, quoi, la résistance, hein. C'est vrai que... Mais du coup, je vais pas du tout avoir assez de pelle, là. Parce que là-bas, il y avait un trou. C'est bizarre, quand même, qu'il y ait un... Donc ça, c'est le bon trou. Ça, c'est genre un trou, mais un mauvais trou, ça. Tu vois, ça semblait quand même avoir un truc... C'est un faux truc frais, quoi. T'étais pas dans la résistance. Non, mais en fait, il y a plusieurs trucs de résistance. C'est pas... T'as de la résistance, mais t'as aussi des mecs un peu... Eux, c'est un peu des bandits, quoi. Là, c'est des gars, tu peux pas leur faire confiance, quoi. Ça, c'est une grosse pierre. Ok. Là. Oh, ils reviennent. Putain, c'est la musique de ils reviennent, ça. C'est fou, hein. Mec, grâce à Vérissure, les gars, dès que tu touches à leur trou, boum, petite alarme. Ah, c'est des hooligans, ouais, un peu, là. Ça devient un jeu de shoot, en fait, ce jeu. C'est...
C'est encore un mauvais trou. Ah oh, bah on commence à être fatigué là. Oui, il y a le bon et le mauvais résistant. Un petit... Oh putain, un police car, hein, police car. Hein. Pas possible les gars, c'est les maquisards quoi. Ça touche pas ça. Hop, j'en profite direct. Je le fouille, je suis encore en duel, je le fouille. Hop, je monte là. Oh là là, faut recharger, on comprend pas bien le pompe. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon ça. Ça, c'était efficace. Hein. Dès que tu touches au trou, il y a 4 mecs qui sortent. Hein. Ah, c'est comme ça, ah, c'est le tarif ici. T'as pas le choix, c'est... Faut faire très très attention. Hein. Je vais bientôt pouvoir m'acheter une... Ah, faut que je fasse attention, parce qu'en vrai, j'aurais pas du tout assez pour la pelle, là. Hein. Je vais plus avoir de pelle... plus avoir de pelle qui fonctionne, moi. Hein. Ça, ça me rend un peu chafouin, parce que... Va falloir que j'aille voir Vlad, va falloir que j'interrompe, enfin... On est tout de suite sur une mission beaucoup plus compliquée, quoi. Contrebande enterrée. Bah où est-ce qu'on peut genre... Est-ce que je peux en trouver d'autres? Rentable ce cimetière. Non mais en termes de munitions... Là je vais rentrer chez moi, je vais en parler à ma femme. J'ai fumé 12 mecs, là. Il est où le dernier trou? Mets la vraie lampe sinon, c'est vrai. C'est vrai que... Attendez, j'ai dû le... Parce que, attendez, là, c'est où, ça? Là? Ah. Et on espère. Hein. C'est bon. Dabrichka! Non, y a pas d'Abrichka, là? Ok, c'est bon. Vous avez intercepté toute la contrebande. Bah, parfait, tout ça! Il y a le camion de flic. Mais est-ce qu'ils vont penser que je suis genre coupable? Ah, j'espère pas. Hein. Non, je pense pas en vrai. Je pense que tout va bien. C'était une petite mission à 800 balles, ça. C'était une petite mission plaisir. Est-ce que je m'achèterais pas une mitraillette, là? Parce qu'honnêtement, le pompe, on commence à ne plus trop pouvoir le blairer. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas très loin. Je vais aller voir Vlad. Je vais aller m'acheter une petite mitraillette. C'est quoi le plagiat Michou? C'est quoi la ref? Oh putain, merde. Tout droit, tout droit. Ah, toujours ces embuscades, hein. Toujours ces embuscades bien senties, hein. Attends, le snipe, non? Y a un snipe? Oh, comment je kifferais jouer avec le fusil à 2000? Ah, c'est vrai que sinon je vais un peu gâcher, quoi. Je vais un peu gâcher, Ah, ça va être gâché, sinon. Aïe. Goeco pour l'AK. Bah là, c'était mitraillette, mais en fait, soit c'est fusil... Je crois que la mitraillette, c'est 1003. Le fusil, c'est 2000. Et la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une autre arme un peu stylée qui va être débloquée après, quoi? Oh là là, excusez-moi. Une pelle, au moins. Bah, la pelle... C'est vrai que la pelle, c'était pas con, quand même. Pelle, c'est jamais un mauvais choix, quoi. Ah, Michou, il a joué, ok. Oh bah c'est bien, les replays ils vont exploser. Excusez-moi. Oh parce que bah, vous savez, je gère plusieurs... Un régal ça. Aïe. Ouf. Boum. Ok, bon on rentre à la maison là. Mais ça c'était juste une petite mission annexe en mode pour faire des thunes, parce que du coup comme avant j'avais pas le bouton F2. C'est fou, moi c'est une découverte. Hein. Moi y'a un avant et un après le bouton F2 quoi. Non mais là j'ai envie d'être en pleine journée, j'en peux plus de... Tiens, je veux bien que tu répares Repnin. On a le titre du prochain replay. Je suis un meilleur douanier que Michou, 3 points d'interrogation. J'espère que tout a été réglé. Tout a été réglé frérot. Bon je vais pioncer moi. Allez ça pionce. On revient demain là. Parfait comme titre je note. Nickel. Merci Mayura. Pandémie. Mauvaise nouvelle. Novid est de retour. Pour empêcher l'épidémie de se propager, ils ont appelé ça Novid. Ils sont bons. Le parti ferme les frontières aux non-vaccinés. Rappelez-vous, la santé et la vie des citoyens sont entre vos mains. Alors, il y a combien de doses, là? Allez, hop. Allez, on me montre. Et pas de faux QR code.
Touk touk touk. Qu'est-ce qu'on a? Oh, déjà on a un beau Grass Duke. Hein. Ouh, comme ça, en, oh, en rouge et blanc, malheureusement, déjà, il y a déjà une petite erreur. Bonjour monsieur, bonjour. Camarade, je vous dire comment survivre à la pandémie. Je fais ça depuis plusieurs années, je tombe jamais malade. Une bouteille de vodka et Castanska au petit déjeuner, vous êtes en pleine forme. Oh, tu vois, celui-là, t'as pas envie de l'écouter, celui-là. Je suis désolé, mais là, pff, la bouteille de vodka. Monsieur, vous êtes juste un ivrogne. Hein. Anand Bayar. QJV, V12. Ok. Carte de vaccination. C'est de la vraie, ça? 16 avril 81. Ah oui, c'est la date. C'est bon, il a le droit. C'est le Novid 78? On n'est pas au 85, là? On m'étonne un peu. 4190, c'est bon. Anand Bayar, ça m'a l'air d'être un bon gars. Hein. Juste le Grass Duke, j'ai un petit doute. Est-ce qu'il y a des nouveautés, là, d'ailleurs? Oh, j'ai une nouveauté, là. C'est vrai, j'ai une lettre. Oh, j'ai pas de lettre. Novid est de retour. Putain, le virus Novid 78. La pandémie d'il y a 3 ans, des ravages qu'elle a causés dans notre pays. Les meilleurs travailleurs, au travail des meilleurs scientifiques d'Akaristan, nous avons eu un vaccin amélioré pour combattre la maladie. Le gouvernement a décidé d'annuler les jeux de cette année. Aïe, 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 le coup dur. On les aura l'an prochain. BHN, 37 ans. Un pare-choc manquant. Nous avons obtenu... Ok, donc les contrebandiers... Donc... Oh, le pare-choc manquant. Lui... On va le surveiller parce que ça, c'est les différentes infos pour savoir s'il n'y a pas des gens un peu louches, là. Tiens, sors vite fait, toi, frérot. Descends de là. Salut, Maximov. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Ah, c'est boulot, boulot. Tu connais. Allez, hop là. Allez, on enlève tout. Ok, on déballe tout. On déballe tout et on va voir. Ouais, il a un pneu crevé. Ouais, je l'ai noté normalement. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de pelle en vrai. Hein. Lui, il pouvait très bien être. Parce que là, si t'es vacciné. Ouais, ils ont l'air bons. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème sur celui-là. Hein. En vrai, il est tranquille. Hein. Il y a deux pneus crevés, pardon. Non, je vérifie juste parce que. Il a quand même ce truc de le pare-choc manquant. Et en termes de rétro, on est pas mal. Donc je vais juste me noter un deuxième pneu quand même. Mais du coup, comme il n'y a plus les jeux, on n'est pas obligé d'être à 3 contrôle les dommages. Ils sont autorisés à entrer dans le pays. Ok, maintenant c'est la vaccination quoi. Le jeu est devenu vachement bien comparé à la démo bêta, je me lasse pas de ton aventure. En fait, la démo, ils avaient tout mis d'un coup. Tu sais, avec un peu les différents types de possibilités du jeu quoi. BWL, c'était pas ça le... Non, BHN. Et peut-être l'âge, juste... T'as quel âge? 44 ans. Non, je pense qu'il est clean. Ah, il a son passe Covid. Il l'a. Honnêtement... Moi, je pense que ce gars est clean. Il a deux petits pneus crevés et tout, mais ça, maintenant, on s'en fout. Donc, c'est juste histoire de récupérer plus de sous, quoi. Mais ça peut rentrer. Hein. Ça passe sans souci, quoi. Le jeu avait l'air cool, mais le côté pandémie, ça me fait du l'urticaire. On se croit revenu en 2021. Bon, du coup, c'est rigolo, comme il l'adapte dans un autre univers, tu vois. En trollant un peu en mode, c'est le Novid et tout. C'est marrant. Ok, mon bon monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, une petite vache. Transporte sa petite vache, lui. Cag. Akaristan. Oh, un miroir manquant. Il peut être louche. Il peut être louche, mais déjà, il vend des choses. Oh, il achète pas cher. Hein. Oh, le PQ à 4 balles, ça c'est une aubaine. Hein. Oh, le PQ à 4 balles, faut surtout sauter dessus, quoi, parce que... Clairement, tu le trouves pas tout le temps, le PQ à 4 balles. Hein. Vas-y, viens là, frérot. Tes documents, déjà, il me les a pas donnés. Ça, Wadi Boulout. Vacciné pour polio. Ah oh, bah, t'as clairement pas le bon truc. Là, t'as besoin d'être vacciné pour autre chose. Contre le Novid. Ah bah oui, là, ça va pas. Ah bah là, c'est certification, passeport, règlement d'entrée. Là, tu coches pas du tout. Il va savoir, il y a d'autres choses en plus. 24 ans, bizarre. Bizarre, hein, Wadi Boulout, là. Wadi Boulout,
Je vais mettre un petit coup, parce que comme il y a un rétro manquant... Ah, tu pourrais être un escroc. Non mais la vache, encore une fois, on fouille pas les animaux. On va quand même le faire pour être sûr, mais... Ah, je peux la déballer, la vache, ça veut dire que... Mais toute petite! Non, mais après, c'est des trucs un peu louches, quoi. Il faut commencer à mettre les mains et tout. Non, la vache. La vache, laissons-la en paix, je pense. Hein. Non, c'est le truc des pires images avec les gants et tout, là. C'est... Non, il a l'air bien, le gars. Ah, il a une fenêtre cassée. Même intérieur, ça, tu peux check. Faut le tuer, ouvrir son ventre. Oh. Oh. Bon, par contre, quoi qu'il arrive, il va pas rentrer. J'ai vu quoi, moi? J'ai vu, il manque un rétro, il manque miroir manquant, il y a une fenêtre cassée à l'intérieur. Je vois quoi? Je vois du pneu, je vois du pare-choc, je vois ni pneu ni pare-choc. En termes de feu, on est bon. Ok, on est bon. On est bon, donc juste, il peut pas rentrer parce qu'il est pas... tiens, retourne dans ton véhicule. Tiens, remets-nous la vache dedans, toi. Et juste, lui, on le recale, le petit pote. Tiens, t'es recalé, mon gars. Inspection terminée, c'est refusé. Ça, c'est refusé, ça bouge de là, et on enchaîne. Allez, le poids. Ah, j'ai pas fait le truc, bon après, il y avait tellement d'éléments que... Ensuite, en fait, l'inspection parfaite, c'est soit tu fais full tune, soit tu fais genre... Tu vois, là, je prends combien? Je prends 120, je crois que c'est 100. Putain, désormais, règlement d'entrée, non. Pare-choc manquant. Ah, il manquait un pare-choc et une carrosserie accidentée, mais j'ai pas vu ça. Putain, désormais, on peut faire ça, quoi. À ma 56e inspection. Ça, c'est quand même beau. Farid Toprak. Déjà, on est sur quelqu'un de plaisant, là. L'âge, 34 ans. Il a une Micros 26D. UHQ. UHQ, ça m'a l'air bon, ça. On va juste checker un peu ce qu'il y a. C'est pas la peine de l'enlever. Ah si si mon bon monsieur. Nous c'est ce qu'on fait avant tout là. Nous on enlève, on enlève, on enlève. Il y a pas un... Attends, lui il vient d'où lui? Il vient de Rally. 37 ans. Encore une fois. Ah, j'avais pas vu ça. Bon après je pense qu'il va être clean hein. Ça, généralement, ils sont clean. Tu vois, il n'y a jamais trop de trucs louches dans les bagages comme ça. Je crois que jamais encore on a découvert un truc où on se dit... Tiens, tu peux le remettre. Poids max. Ouais, j'avoue que... Non, lui est bien. Il a rien en plus de... d'abîmé. Non, c'est un bon. Hein. 990 kilos, peut-être. Parce que c'est vrai, comme il est chargé. Non, 900, tu vois, il y a vraiment... Tout 2 kilos, c'est le truc qu'on a moins eu à checker pour l'instant. Non, je l'approuve, hein. L'Akaristan, enfin. Oula, il a un peu dit ça en mode, le gars s'est fait recaler 8 fois et il vient poser une bombe. Il est vacciné, ouais, il était vacciné. Ah. Refoulé? Pourquoi? A été autorisé à entrer dans le pays malgré les restrictions. Règlement d'entrée. Mais j'ai vu le vaccin. Il était vacciné, pourtant. C'était un faux? Était... Mais s'il avait un petit papier bleu. Tu vois, lui, Oumar. Direct, Oumar, lui, on le voit. Ah, par contre, c'est pas le bon blaze. Ah, dommage. Bien vu. Ah là, là, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Ça a tenté. Ah, il faut 2 semaines de délai de vaccin. Ah, my bad, je me suis précipité. Avez-vous quelque chose à vendre? Ah bah ça, je peux toujours vendre un petit quelque chose. BHN? Ah, c'est devant. Montre-moi BHN un peu, là. BHN, en termes de rétro, pare-choc et tout, on est plutôt pas mal. Ok, juste un petit coup de poids max 6230, il est à combien? Oh, il est à 4900. Ouais, ok, ça me semble... Tout ça me semble assez legit. Faites juste attention avec ça, je comprends, monsieur, j'ai l'habitude. En fait, là, j'aurais pu checker directement dans la caisse, je pense, hein. Est-ce qu'on a pas... Ah! 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 Ah!
Aïe aïe aïe. Pied de biche. Allez, ouvre-moi ça, là. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'arme, on a de la munition, on a tout ce qu'il nous faut, là. Ça, ça va pas aller loin, ça. Oh, il a pas fait qu'un seul truc de contrebande. Ce serait con, quand même. Ah là là là, j'en vois un autre. Et voilà, encore des petites armes, des petites munitions. Hop, mais du coup, qu'est-ce qu'on a, là? Est-ce qu'on a pas, justement, un peu partout de... Ah, mon gars. Ça va pas se passer de ouf, hein, là, le voyage, hein. Descends. Elle blanche fleur, merci pour le prime. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, là, le gars, c'était la mule, là. S'il vous plaît, monsieur. Ah non, moi, je suis désolé, mais là, c'est trop, là. Moi, je veux bien aider, je veux bien être la bonne poire, mais là... Là, c'est me prendre pour un con, là. Oh là là, j'adore. C'est la première fois qu'on en trouve comme ça. Par choc avant. Oh, merci. Oh là là, ça, c'est du collabo de niveau maximum, là. Ah non, c'est ça qu'il faut prendre. C'est où? Armes. Bon, je les avais pas vues. Elles sont tombées. Pas d'espace libre. Ah oh bah, lui, ça va finir en zonzon direct, hein. Ah, lui, là, le gars, honnêtement, c'était le BHN, lui? C'était la plaque qu'on recherchait. Ah ouais, non, lui, honnêtement, il est vraiment venu... Je suis encore promu. Oh, nouvelle arme disponible, fusil de sniper. Oh, 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 oh. Faudrait que j'appelle bientôt, là, qu'ils viennent me débarrasser, hein, parce que honnêtement, je suis armé jusqu'au cou, là. Il y a deux gars, on va bientôt leur demander un double service, je pense. Juste au moins qu'ils nous libèrent un peu, parce que... Sinon, on n'en peut plus, hein. Oh, le fusil de sniper, mais il doit coûter tellement cher. Oh, faut qu'on farme les thunes. Résistance par résistance. Bon, Toto, bienvenue. Oh, le snipe. 160 balles, tu vois, je pense qu'il coûte 2005, le snipe. Vous voulez pneus? Non, il n'y avait rien, je crois. Encore des vaches, mais c'est votre truc, hein. Choleg, à toi. Alors, vache 1, Petr Rachmanov. Oh, père. Malon. Ouais, correspondance, ça, c'est bon. Je vérifie juste, parce que tout à l'heure, je me suis fait avoir. C'est vrai que Petr Rachmanov, 5 décembre, novembre, ok, tout ça, c'est bon. Bah, c'est juste... Ok, non, juste pour voir un peu ce qu'on pouvait avoir. Par choc, 37 ans. Il a quel âge? 31. C'est 37 ans qu'on cherche. Hein. Et non, il faut venir de la Karistan, mais lui, c'est Royaume d'Arkay. Donc, bah lui, quoi qu'il arrive, il va se faire... Non, mais c'est vrai que la pauvre vache, j'ai pas envie de la déballer, moi. Je pense pas qu'ils ont mis des trucs dans la vache. Parce que je pense que c'est trop compliqué de... Je check vite fait, un petit truc d'inspection rapide, quoi, histoire d'eux, mais... Non, sinon le gars, il est bien, hein. Juste, il s'est foutu de notre gueule, quoi. Toujours, parce qu'on sait pas exactement, mais bon, c'est pas marqué sur son cul, à la vache, que... Elle a 4 kilos de coke dans le bide, donc... Non, je pense que... Merde, je suis où? Je suis là. Non, du coup, clairement, il a pas le bon blaze. Ici, et ça, j'ai déjà noté, ça. Et le vaccin, bon, le vaccin, de toute façon, quoi qu'il arrive, il rentre pas, donc... Je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus, là. Ah, t'as peut-être des trucs à vendre? Vodka pure à acheter? Oh non, c'est trop cher, mon gars. Là, je sais pas ce que tu cherches, mais tu joues au con, hein, dis donc. Hein. Toi, récemment... Un petit coup de couteau à côté de la... Qu'est-ce qu'il me dit? Il commence à être énervé, lui. Un petit coup de couteau dans le vide à côté de la vache, on dira rien. Oh, Elodie, c'est vrai que t'étais contre les violences animales, j'avoue que je suis un peu choqué, mais bon... Ok, oh, il a fait... Eh ouais, fais gaffe, hein, toi, parce que... Ta roue de secours, allez vous faire foutre. Ok, 160 balles de plus. Non mais là, nous, on doit farm les thunes. Vite, on dort. Oh, je vais avoir un fusil de sniper. Oh, j'en reviens pas. Alexia, merci pour le prime. Oh la vache, elle est charge, hein. Non mais là, c'est con, parce que le mec, tout à l'heure, j'ai perdu 160 balles, alors que je devais gagner 160, donc ça fait un petit delta de 320, quoi. Embauche du personnel.
Bah, le personnel, c'est pour, c'est surtout pour les attaques, hein, quand même. Moi, les attaques, on m'appelle shoot d'or, donc bon, à partir de là, j'ai des mecs à tuer, on sait jamais. Allez, venez, direct. Allez, tu t'arrêtes pas, tout droit, super. Super, mon pote, on a gagné du temps, là. Alors, qu'est-ce que vous voulez, vous? Est-ce que vous avez le pare-choc, déjà? Non, vous voulez pas le pare-choc. Ça vient quoi? Dakaristan? Oh, déjà. Papier toilette à 6 balles. Ok, oh, je l'ai touché à 4. C'est pas une affaire en or. C'est pas une affaire en or, faut se le dire, mais bon. Ça me permet aussi un peu de me décharger. Je fais 2 balles de bénéf. Y a pas de petit bénéfice, hein. Ah ouais, là, sinon... J'avais le sentiment que l'épidémie n'était pas encore terminée. Lui, il est bizarre. Il y a un gars d'Akaristan qui... Le parti a pris... Ouais, en plus, il suce un peu le parti et tout. Tu vois, comme ça, à la frontière. 25 mars, c'est bon. Date de naissance, de toute façon, que t'es 37 ans ou pas, ça changera pas grand-chose. Ah, toi, mon gars, t'es louche, toi. TX26, c'est peut-être sur la cuisinière. Faut peut-être que... Salut, Maximov. C'est un poli, Maximov, hein. Toujours un petit bonjour, toujours un petit mot gentil. Ok, on est bon. Lui, il faut que je déballe tout, hein, parce que sinon, ça peut être compliqué. Je pense qu'on peut avoir des belles surprises, là. Oh, c'était mon espoir. Cache pas que déjà, j'attendais beaucoup de ça. Oh, papa. Et qu'est-ce que je viens de toper, là? Oh, le mot topé, putain, je suis gendarme, j'adore. Oh, rien de plus. Bon, on a quand même un bon coup, là. Ah, bon, cassé, ça. Un nouveau couteau. C'est vrai que ça risque pas trop, parce que du coup, ça coûte pas cher, mais... Oh, mais je veux pas la garder pour moi, un moment, parce que j'ai besoin de sous, moi, pour les fusils. Prenez cet argent et laissez-moi passer. Ah, mais ça, moi, dans le plan que j'avais, je... Oh, les chiottes, peut-être. Non, même pas. Dans le plan que j'avais, je pensais vraiment que je pouvais juste prendre l'argent et quand même le tège. Mais du coup, ça me force à... Je veux pas prendre l'argent, ça coûte trop cher, en vrai. Ça coûte beaucoup trop cher, donc... Je donne pas un peu trop de couteau, peut-être que j'optimise pas. Peut-être un coup et demi de couteau à optimiser, ce qui peut lisser un peu mes coups à l'année, quoi, forcément. Ah, mais je suis obligé d'appeler, là, pour qu'on vienne me libérer, là. Je vais certes pas gagner d'argent, mais au moins ça me... Parce que... Ouais, il commence à y avoir pas mal de matos là-dedans. En vrai, je vais quand même prendre un peu de thunes, je pense. Hein. Non, mais là, on a un nombre de trucs, c'est vrai que c'est quand même... On a bossé, hein. Comme ça, les trois prisonniers, vous êtes libres de partir. Vers la voiture de police. La voiture de police est pleine. Comment ça? Prennent que deux mecs par deux mecs? Qu'est-ce qui se passe? Maximov, clean-moi ça, là, pendant ce temps. Ouais, je reviens, Maximov. Pauvre. Non, Lyra. Bon, contrebande des jouets, 160 balles. Mais comment ça, ils sont là et... Non, mais lui, là... Oh, merde. Non, vers la prison en fait. Parce qu'en fait, faut que je les emmène vers le fourgon. Je pensais que ça allait les foutre là automatiquement, mais non. C'est lui, je dois lui dire et c'est lui qui me gère ça. Eh, 600 balles hein, pour 3 détenus. 800. Ah ouais, je fais 1004, 1005 et ça m'a coûté 500. Oh, bah, c'est très bien, comme ça, et on perd pas de temps. Vas-y, hein, tu peux y aller, hein, moi c'est bon. Hein. J'ai tout fait. Et en vrai, je pense qu'automatiquement, il prenait tout. J'avais même pas besoin de mettre dans mon inventaire. En 2006, on commence à y être, les gars. Bon, faut que je fasse des inspections parfaites pour faire un peu d'argent pour pouvoir avoir le fusil. Non, parce que la cage, j'en veux même pas, là. Je veux balle par balle. Tu vois, poum ! Poum ! Ça sent le vilain Valo, là, quand même, en fin de session, je dois vous le dire. Salut, mon gars. Ok, t'es qui, toi ? Dépêchez-vous, ma soeur est gravement malade. Nous savons pas combien de temps il nous reste. Oh, bah, merde. Ah, lui, ça sent le... Ah, c'est Smithob. Ah, Smithob, Stephen Curry. Ah ouais, mais là, ta sœur est malade, là, mais moi, j'ai besoin d'argent, j'ai un tout nouveau fusil. Vraiment, Ah, c'est con, non, c'est pas de chance. C'est pas de chance,
Ah, je suis désolé là, mon gars. Là. Non, Steph, je suis désolé, Steph. Non, je dois être un bon citoyen, Non, il pouvait faire mieux, y a pas forcément l'effort. Y a rien qui est fait, j'avoue que. Ok, truc manquant. Tu as 80 balles, il avait quoi? Non, il avait plein d'autres, dates d'expiration, photos, type de véhicule. En vrai, y a rien qui allait. Je l'ai bâclé. Je voulais pas qu'il aille en tôle, le con. Samir, bah les oreillons. Allez hop là, Samir. Règlement d'entrée, c'est non. Qu'est-ce qu'on me cache d'autre, Samir? Oula, Samir, il y a du matos, hein. 17 engrais. Pop, pop, pop! Samir, mon con! 7 CIP, Y 10V. Ok, ça c'est bon. En termes de plaques, là, on est comment? YTX. T'es YTX, toi? Oh putain, c'est devant. Je confonds à chaque fois YTX. T'es bien YTX. 6230 kilos. Après, c'est lourd, mais je pense que ça va, là, quand même. Hop, 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 hop! Première fois qu'on est en dépassement de poids max. Oh, bah ça, tu vois, c'est un plaisir. Parce que j'avoue que je check pas tout le temps. Et comme ça, pouvoir le choper. Ah bah on est encore une fois sur un bonheur de grosse merde, hein, mais... Douanier un jour, douanier toujours, hein, si tu veux, c'est comme ça. Ça cache quelque chose, ah ouais, je pense que lui, clairement... Je pense que lui, il est armé, hein. Si c'est pas là... Est-ce que le poids, ou alors c'est juste du poids en mode il a essayé de gruger parce que juste il transporte des vraies marchandises? Je peux pas y croire. C'est quoi l'intérêt? Autant cacher un truc, autant cacher des armes. Tout ça pour ça? Ah, le gars est juste total clean. Il est payant le jeu, ouais. Tout de même. Ouais, non, y a rien. Bon, y a rien, juste il pourra pas rentrer, quoi. Considère que c'est fait, je vais... Le poids à vide. Non mais le poids à vide c'est nul parce que la cam se camoufle, enfin c'est pas bien fait. Ça pour le coup ça a été ma déception. Parce que moi je faisais ça à chaque fois, je mettais le poids à vide pour voir un peu. Non je pense que le gars est clean. Je vais le faire sortir vite fait pour checker quand même ici mais... Je pense juste c'est un mec qui a voulu charger un peu trop. Malheureusement ça peut pas passer quoi. Malheureusement, 17 engrais, il en a 17. Risque biologique 1. Cuisinière à gaz 2. Ah, j'en ai que 2, moi. Voilà, j'en ai 3. Donc, Non, juste, c'est terminé. Juste, t'es refusé, quoi. T'es refusé, ça peut pas passer, là. Non, dama, toi aussi, mais ça peut pas passer. Ah bah ouais, non, il y a trop de choses qui vont pas, là. Là. Alors, nouveau camion. On a 2 nouvelles personnes. En vrai, c'est... Vous pensez que c'est combien, le fusil? Parce que le fusil, c'est 2000. Le snipe, ils vont le mettre cher, ils vont le mettre à 3000. Parce qu'il faut que j'achète des munitions aussi, hein. Munitions, c'est 40 balles la munition, je pense. Hein. Oh. Oh, 2 paquets de clopes à 9 balles! Oh, l'aubaine! Oh! Sac de pommes de terre à 12 balles, je vais en prendre 2. Ah, oh, lui, il est en chien, lui, hein. Ils vendent le PQ aussi cher que les clopes. Arthur, qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu caches derrière ce deal de merde? Sergi et Jev partout. OYBI. Vacciné, date de vaccination. Il est tout bon. Arthur. Non, c'est un bon Arthur. T'as un truc là-dedans? Les petits coyons. T'as quoi? T'as 2 coyons? Non, je... Moi, je veux plus fouiller les CSY. CSY. Bah, il est bon, le gars. Hein. Honnêtement, tu m'as dit que c'était quoi, un Zagre? Ouais, c'est ça. Hein. T'es bon. Hein. Toi, honnêtement, peut-être l'âge un coup, mais 33 ans, c'est pas 37. Hein. Non, bah, je vais accepter. Hein. Je vois rien de louche, moi. Hein. Je vais juste passer un petit coup quand même, histoire d'eux. Les pneus, ils sont en bon état. Boum, boum. Tac, le pare-choc, il y a tout qui va. Il n'y a pas de feu cassé. Non, mon Arthur, c'est très bien. En plus, il m'a vendu des bons trucs. Tu peux y aller. Tu peux y aller, vas-y, mon gars. Bonne continuation.
T'as vu le poids mais tu l'as pas regardé. Ah, il était trop lourd ? Oh non. Ah non, c'est parfait, qu'est-ce que vous me dites ? Mauvaise langue. Ah, mauvaise langue, là, je suis en inspection parfaite. Ozen Sabirov, Ozen Sabirov, tac tac, 24 BE6, tac tac, KTE, KTE 901, KTE. Il manque pas un rétro ici ? Il manque un rétro. Rétro, c'est sur ma liste des potentiels gens suspects. On ouvre grand... Oh là là, carrosserie manquante en plus. Vous voulez de l'argent, je voudrais vous acheter quelque chose. Vas-y. Paquet de clopes à 24. Je prends 15 balles de bénéf sur le paquet. Je le prends, mais parce que c'est la crise. Hein. C'est génial de faire des affaires avec vous. À qui le dis-tu ? À qui le dis-tu ? À quel âge ? Non, il a 39, pas 37. Il peut pas tout cumuler quand même. Il se retrouve avec un miroir manquant. Une carrosserie accidentée. Ok. Pushkuskai. Ok. Non. Ouais, bah écoutez. Rien de, y a rien d'excitant dans sa caisse. Hein. C'est quoi, c'est une tête cassée, ça, en plus ? Petite fenêtre cassée. En plus de tout ça. Histoire d'eux, quoi. Non, mais là, on n'a jamais rien là-dedans. Alors, j'ai cru. Non, bah, ça m'a l'air clean, hein. Ça m'a l'air clean, honnêtement. Il a pas de problème. Est-ce qu'il est, je crois qu'il est bien vacciné, hein. Non, bon, il y a une caisse, c'est une poubelle, mais bon, il fait ce qu'il peut aussi, hein. 3 sacs de céréales, 5 bagages, c'est exactement ce que t'as. Novid, Ozen Sabirov, mon gars. Je vais te laisser passer, hein. Je vais te laisser passer, voilà. J'ai pas check la boîte à gants. Ouais, mais en vrai, je pense qu'on était pas mal quand même. Hein. Non, non, lui, on le laisse, hein. Je vais aller pioncer, moi, sur ce, hein. On va se refaire une journée où 3100, je peux aller. C'est l'eau, ça ? Quoi ? Ah, le poids du véhicule était trop lourd. Oh, je perds 200 balles là-dessus, la clim. Oh, j'ai pas pesé, alors que le mec avait 10 bagages. La fenêtre, elle nous fait perdre un peu d'argent, mais c'est pas grave, tu le laisses passer quand même maintenant. Oh, la clim. Oh, c'est dur. Oh, là, c'est... Ah, petite clim, parce qu'honnêtement, un delta de 400. Ok, je dois aller au bureau. Nouvelle commande. Ah là, on va sûrement avoir un truc un peu fort. Envoyez-moi en mission, je suis un homme de terrain. Je suis pas qu'un douanier, moi. On nous a signalé des cris provenant du Karat Motel. Ah. L'endroit a fermé il y a quelques années, donc l'affaire est d'autant plus suspecte. Allez-y et voyez ce qui se passe. Oh, j'y vais. Il faut peut-être que je prenne des outils quand même, parce que j'ai laissé tous mes outils là-dedans, attendez. Déjà, je vais prendre un pistolet, parce que le pistolet, c'est quand même pratique. Hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais... quand même pratique. Tac, et bon, un pied de biche, pourquoi pas, un couteau, c'est pratique aussi. Bon, tout est pratique, en fait. Tout est pratique, ok, j'y vais de ce pas. J'y vais de ce pas! Mais comme ça, on pourra voir les prix juste à côté. Toujours pas parti, lui? Ah non, lui... Ah, lui, c'est pas mal, parce qu'il nous propose de... En fait, il reste un certain temps. Comme ça, en fait, comme il reste... Karat Motel, c'est juste à droite. Ah, maintenant, je vais foutre les sirènes tout le temps, donc... Si, je crois que je peux stocker dans la voiture, mais... C'est le bon chemin? C'est le bon chemin. C'est dans la vraie ville, pas un pont aussi, là ? Je crois que c'est dans la vraie vie aussi. Laissez-moi sortir, je dirai rien. Quoi ? Oh putain, j'aurais pas dû aller en... Qu'est-ce qui se passe ? Je dois y aller ? C'est fermé par devant, trouver l'entrée du bâtiment. Oh, je vais passer par la porte de derrière. Je viens en pompe. Vous en faites pas, je fais partie des forces spéciales. Je vais passer là. Là. Et je saute au-dessus.
Mais comment ça? C'était exactement là, l'entrée. Oh, je peux pas, putain. Oh, les devs. Oh, je peux pas, putain. Ça doit être de l'autre côté, l'entrée. Je suis déçu, j'avais déjà mon petit truc, là. J'avais mon truc en poche, je montais. Oh, il y a du matos, là. Oh, c'est une RX, hein. Putain! Oh, la vache! Ah ouais, non, mais là, on est... Attention, hein. Là, on est sur les plus grands brigands, hein. Fouiller le bâtiment. Non, je vais déjà fouiller les corps, parce que... C'est quand même de l'argent, les munitions, hein. Sait-on jamais, quand même, hein. Ok, mort. Ça touche pas, ça. Mort. Aidez-moi. J'arrive. Je fais au plus vite, attendez. Tenez bon. Allez, bonne soirée, les cons. Oh non. Non, mais c'est quoi ce jeu? Alors, je la refais. Bonne soirée, les cons. Ah ouais, là, il y a eu du... Tu sors ou pas? Philippe! Là, j'ai l'impression de mettre une tête, hein. Mais pas la tête, mais... Je la mets, là. T'es quoi? T'es dans la pénombre, toi? Toi, il y avait une grenade, elle était quand même... Grenade a fait zéro mort. J'aimerais qu'on en parle plus, s'il vous plaît. Oh là, le policier d'élite, quoi. Le policier d'élite! Putain, c'est 4 balles, hein, sinon. Oh, je dois recharger, mais c'est... Le pompe, c'est le pire investissement, hein. Si vraiment... Si j'avais su... Par contre, ces gangs... Je sais pas ce qu'ils vendent, mais bon, c'est Pablo Escobar, le mec, quoi, en face, hein, parce que là... Non, mais vraiment, c'est terrible. Le pompe, c'est... L'arme à ne surtout pas acheter, quoi. C'est la fausse bonne idée, quoi. Je pourrais mettre que des têtes avec le snipe, s'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-moi un snipe. Oh, c'est toi? Putain, mais t'es qui, toi? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Attendez 2 secondes, je te détache. Je te détache vraiment dans quelques secondes. Juste... J'arrive. Non, parce que c'est de l'argent, hein, quand même. Hein. Vous savez, on n'est pas hyper bien payé, monsieur, donc... Moi, si vous voulez, d'habitude, je dors. Ouais, j'ai pas de prime, hein, pour vous sortir de là, donc... Détachez-moi, attention, hein, parce qu'après, la police scientifique, elle débarque, boum, ils ramassent tout, on peut toucher à rien, nous, on n'a pas de prime. Ah ouais, comment je fais, après, pour payer des coups, moi? Y'a quoi, là? Ouais, j'arrive, y'a plus rien. Normalement, tu devrais me donner un petit bifton, hein, pour cette... Parce que seul, hein, je suis venu seul, mon gars. Piotr, t'as l'air d'être... C'était pas important, hein. Les voyous d'Oberankov voulaient me livrer au point sanglant. Oh non. Je m'appelle Piotr, je suis assistant du ministère de l'Intérieur. Ah ouais, du ministre. L'OIQ, merci pour le prime. Les rebelles me traquent depuis quelques temps, ils savent que je connais les détails des attaques sur leurs cachettes. Ah bah oui, forcément, du coup ils doivent t'en vouloir. Détachez-moi et sortons d'ici, ils seront bientôt là. Ah, tu me donnes quoi? Parce que moi je pourrais être avec eux aussi. Hein. Je pars. Je le laisse se faire fumer. Parce qu'en fait, je suis vraiment la main de l'ombre. On ne sait pas qui je suis. Je suis Batman! Je suis Batman, en fait! Là, je suis résistant. Je suis résistant dans ces moments-là. Parce que là, je vais fortement aider la résistance. Certes, ils ont perdu 20 hommes sur cette action. Mais là... Je prends... Vous êtes rangé du côté du point sanglant. 1200 balles. Hein. 1200 balles. Putain, je vais acheter un fusil. Je vais acheter mon snipe. Oh, s'il vous plaît, mon sniper.
C'est ce qui me rend, je vous le dis, c'est ce qui me rend heureux. Il est loin, Vlad. Comme ça, je vais peut-être acheter une petite pelle au passage. Oh, c'est fou, le Batman, quoi. John Wayne, la journée, là, comme ça, d'un coup, douanier. Hop, la nuit, ça met sa cagoule. Et on est parti, quoi. Hop, on libère, finalement, boum, je les laisse aux mains. Des points sanglants. Ah non, c'est... Le truc, c'est que... Je pense que la résistance a pas bien compris à quel point j'ai... Oh là là, la résistance me tire dessus aussi. Non mais il y a un manque de dialogue. Oh, mais il y a un manque de dialogue assez fou. On se parle pas. Je sais pas comment ça marche, mais est-ce qu'on devrait pas s'envoyer des pigeons voyageurs à minima, quoi? On parle en code secret un peu, tu vois, genre... on fait un truc bien. Mais là, c'est vrai que moi, j'en tue 10, derrière, ils m'attaquent. Au final, on est quand même du même camp. C'est flou, cette histoire. Bon, Vlad. Oh là là, le snipe. Oh, le snipe. Oh, j'arrive. Oh, Vlad, ton snipe, il coûte combien? 2008. Oh là là. Je veux jamais manquer. C'est ça le snipe? Attends. Comment ça? Non, parce qu'honnêtement, bon, mets-moi une lunette, frérot. T'en fais pas le rat à ce point. Oh non, je suis dégoûté là, en vrai. Parce que je me retrouve avec une carabine de la guerre 14-18, quoi. Bah autant pas tirer balle par balle et prendre un fusil et arroser, quoi. Oh, c'est difficile, là. Oh, je coupe la sirène, là. Une pelle. J'ai plus de pelle? Oh, il me reste une place. Une petite pelle, vous pensez? Prendre une bêche, hein. C'est plus cher, meilleure qualité. Ah ouais, là, je... Oh, je m'imaginais déjà avec ma petite lunette, là, en mode... à bien viser... Oh, c'est un peu dur. Hein. Feu éteint. Ouais, je suis con. C'est possible de tirer sur Vlad. Tu peux tirer sur tout le monde. Après, est-ce que tu peux le tuer? Tu vas mettre des têtes avec ça. Oh, la petite lunette, là, je me voyais comme ça. Là. Pouh. Enfin, bon, on rentre au bercail, quoi. Heureusement que j'ai fait un acte de... Oh, putain. Ouais, endommagé, là. Ah, non, mais en termes de cervical, c'est vrai que... Ça commence à être douloureux, quoi. Un petit passage chez l'ostéo, ça ferait pas de mal, là, parce que c'est vrai qu'il y a eu des accidents. Mets un tube de PQ sur le snipe. J'ai de quoi, hein. Oh, oh là là, pardon, excusez-moi. Je t'attendais à un fusil à la Hitman. Non, mais un peu, t'es juste une lunette un peu schlag. Mais un minimum lunette, quand même. Tu vois, un peu où tu te dis quand même. Waouh. J'ai eu de la chance, parce que là... On s'est à l'achat d'une Minerve. On se rend pas compte, hein, comme ça on se dit au début, douanier, c'est juste... Oh, j'ai failli la garer en one shot, tu sais, en mode frein à main et tout, mais... Je sais pas, il y a quelque chose. Depuis que j'ai ce fusil, j'espère qu'on va se faire attaquer au moins, comme ça je pourrais fumer ceux que j'aide. J'espère que tout a été réglé. Allez, je veux juste pioncer, moi. Allez, ça pionce. Allez, ça pionce, là. Ah, c'est coup dur quand même. C'est coup dur parce qu'on en attendait peut-être un peu plus. Hein. La baisse. Conduite approximative. Tu peux te faire attaquer, souvent même. Une autre belle journée en Akaristan vous attend. Akaristan. Allez, on ouvre direct. J'ai quoi? J'ai de la cam ou pas, moi, sur moi? J'ai rien du tout. J'ai des sacs de patates, quoi. C'est pas hyper rêvé, quoi. Ah, mais je crois que j'ai des clopes, non? Ah, j'ai des clopes et un peu de PQ, histoire de... Munition pour fusil, c'est pas pour nous ça. Munition pour mitraillette. Hein. Ça c'est si on avait... Je vais mettre munition à pompe, parce que j'en ai pas mal déjà. Ah, munition fusil à pompe. C'est vrai que le fusil à pompe, c'est vraiment la pire arme. Combien? 1350. Ça va Alfred? Dis-moi tout. Yevsei Umitenko.
SGG 39, très bien, date de naissance, t'as pas 37 ans toi. 47, c'est louche. Oh bah choléra. Oh bah 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 bah. Bah 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 bah. Oh bah bah. Tiens, on s'est accidenté, je te top pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas grand chose à me... Pas grand chose à me mettre sous la dent. Date d'expiration 12 mai, on est le 4 mai là. On est le 4 mai donc poids pas ok. Bah si, 1580 le poids max. Les gars. Je comprends que vous avez envie aussi de. Tu vois, Choleg. Choleg à fond ici. Le gars il déplace son frigo, bon. Faut aussi lui montrer un peu de respect quoi. Le gars il va se faire recal. Tout est en bon état. Juste il a une carrosserie. Oh, quoi? Ah non. Oh, j'ai le seum, j'ai cru qu'il y avait un truc. Ouais, il est en carrosserie abîmée, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire, carrosserie abîmée, il est pas sur... T'en montes? La photo aussi? Non. NPD? Non, NPD, c'est bon. Non. Et la fenêtre, ouais. Bien vu, ça. Bien vu, parce que... fenêtre cassée. Ah, merde. Je suis con. Vas-y, range, Maximov. Non, la plaque, c'est bon, hein. Honnêtement, y a pas des cachettes sur le sol du coffre. Non, pas à ce point. On doit le refuser, lui. Pas le bon vaccin. Ah, oh, c'est vrai que ça... Oh, lui, il est hyper armé, lui. Hein. Lui, c'est mon gars, je l'avais amélioré. Hein. Wow. Ah, 160 balles. Je lui ai mis la max, hein. 6200. La situation a ralé hors de contrôle, les gens meurent dans les rues, on n'a jamais pu compter sur ce foutu gouvernement. Kamograd Pravidis Atmaka, 90-26, ok. Tac, on est quoi? On est sur un Covid, là. On est sur un beau Novid, hein. IYD, mais t'es super clean, toi. Bon, je vois un petit rétro cassé. Ça arrive, un feu, pardon. J'en perds mon latin. Petit pneu crevé, quand même. Un petit pneu crevé. Attention, on va voir jusqu'où on va, là, parce que... Je voudrais pas que ça empire, quand même, là. Date du vaccin. Non, c'est bon, la date du vaccin. On est le 30 mars et on est le 4 mai. All good, guys. Vous en faites pas, hein, je suis... Faites juste attention avec ça, la classique. Hop, botte de foin. Ok, parfait. Et je pense que... Non, pour, on a checké au tout début, non? Rétro. C'est vrai qu'il n'y a pas de rétro. C'est ça, les rétros? Bah non, c'est une embouchure. Ah, il a ni rétro gauche, ni rétro droit. Miroir manquant, là. Ah bah oui. Feu arrière. Oh, le feu arrière gauche aussi. Ah, dis donc, vous êtes sacrément bon là, vous. Ok. Tac. Ok. Des pommes, soi-disant. Ouais, bah ça a l'air d'être des vraies pommes. Un peu déçu. Bah, tout est vrai. Tout est vrai, et il demandait quoi? Risque biologique 2, engrais 5, boîte de foin 8, cuisinière, caisse de pommes. Non, bah honnêtement... Honnêtement, mon gars... Mon gars, j'ai l'impression que t'es un bon. Hein. Ah merde, toujours, on oublie, Maximov. Le poids, non, c'est bon. Hein. Pour la machine à café, merci Vitoudini et passe-passe. Et 11 000 subs se rapprochent, les amis, petit à petit. Merci pour ça. Non, le capot... Non, lui, il passe, hein. Tout juste, mais il passe. Allez, ciao, bonne journée. Allez, suivant! Allez, on se bouge le cul, on n'a pas que ça à foutre, on aimerait essayer, là! Poum. Voilà, 200 balles. 200 balles, le truc, c'est pas mal. Oh, il y a une bête. Ah, j'aime pas trop ta petite voix là, toi, Zafar. Orazaliev, ok. P. Oh, bah là, déjà, numéro de passeport, on est pas bon, mon gars. Hein. Ça va juste. La seule question que j'ai, c'est. T'as quel âge? 53, je suis là, pas 37. 3880.
Il manque le pare-choc avant. Il n'y avait pas un truc avec... Non, on l'a déjà fait le pare-choc avant. Akaristan et 37. Ah, c'est Zafax en plus. Ah oui, non, il n'y a rien qui va, lui. No vide. Validation. Il n'y a rien qui... Le gars est... Le gars cumule, quoi. 3 vaches, il n'en a qu'un. Oh, c'est cata, là. Liste de cargaison. Pff, toi, t'es... Moi, je pense que c'est pas un contrebandier. Parce que, en vrai, moi, je serais un contrebandier. Je viendrais hyper clean. Moi, je pense que je pourrais être un bon contrebandier. Je suis un peu stressé, il est vrai. Peut-être que je peux être un peu trop panic man. Mais... À droite, il y a le pneu, là. Pas oublié la date d'expiration du passeport. Ah, si, clairement. Elle est oubliée, celle-là. Tu vois, tu viens avec une caisse, avec des papiers hyper clean. C'est le principe des mules, quoi, je pense. C'est que les mecs, ils vont pas prendre un gars un peu louche. Le gars, il a déjà un casier. Le mec, concrètement, il va se faire arrêter pour passeport et tout. Tu vois, donc ça, c'est refusé, ça. On t'a vu sur Among Us, père. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a fait genre en mode, il allait me dire un truc. Allez, suivant. Il y a tellement de trucs à check qu'il se dit que tu vas jamais tout voir. T'es contrebandier, le... Quoi? Eh, oh, oh, oh. Oh! Nous avons un évadé. Oh putain, je vais te niquer, toi. Baissez-vous, les moutons, baissez-vous! C'est de la merde, ce snipe! C'est de la merde! Il prend sa tête, normalement. Oh, je crois que j'ai... Arrêtez le fugitif. Ok, je pars en... Ah, mais les moutons, fallait qu'ils se baissent, sinon ils allaient prendre une tête. Ils ont rien demandé, eux. Allez, sirène allumée, allez, on est parti. On est parti, nouvelle... Et là, je vais vite, maintenant. On peut plus m'avoir comme ça. Non, mais le snipe, putain, j'ai mis 2800 balles. Autant que je tire au gun, quoi. Vraiment, hein, c'est... Il est encore plus lent que le gun. Il fait pas plus mal. Regardez le shortcut que je prends. Pff, une connaissance... Oh, merde. J'allais dire une... Je partais bien sur une belle connaissance, quand même. C'était quoi, les animaux, là? C'était un peu des moutes-moutes, non? On a eu peur, sur... Oh, mais là, le gun n'a aucune chance, en fait. Faut juste même pas lui... Regarde bien. Ah bah, il s'est tué. Ah bah, putain. Oh, c'est hyper résistant comme caisse, la vache. Ça a tenu. Heureusement que je suis descendu, hein. Ça a tenu l'impact. Et le mec s'est buté, il s'est fait un coup du lapin. Ah, moi, j'allais descendre, la voir face à moi et être en mode... Ah, oh, pardon, excusez-moi, monsieur, parce que... Je vais juste vous fouiller, monsieur, si ça vous dérange pas. Vous avez rien, en plus, vous avez rien du tout. Non mais du coup, si t'as fait ça, c'est que clairement... Ah, c'était des cochons. Oh, attends, c'est quoi? C'est des faux cochons. Ah, il a fait semblant. Oh, il a fait semblant, le gars. Oula. Oh, il y a des trucs dessus. Il y a des trucs partout. Attendez. C'est des faux cochons. Oh, je les casse. Oh, la coke. Oh ouais, là, c'est beaucoup de drogue, ça, hein. J'ai plus d'espace. Attendez. Oh, ça gicle et tout, drogue point. Y'en a qu'un là-dedans? Attendez, mais du coup, y'a pas un truc où je peux mettre dans le coffre? Je peux mettre dans le coffre. Putain, ça c'est magnifique, ça. Je te fous la fourche. Là aussi, oh là là. Attendez, 2 secondes. Excusez-moi. Je me permets juste de couper comme on est en pleine... Voilà. Comme ça, on peut bien travailler. Encore de la coke. Coup de coke, lui. Hein. Ah, il y a beaucoup de coke. Hein. S'il vous plaît, sortez du chemin. Pardon? Voilà, connard. Alors. Excusez-moi, hein, excuse-toi. Attends derrière toi en t'excusant, voilà. Hop, tu me gênes. Tu me gênes, là! Tu me gênes! Pourquoi faites-vous cela? J'ai eu un peu de peine quand même. Pourquoi faites-vous cela? Attends, je suis en train de bosser, moi. Je suis sur un cas, là. Je suis en train de tomber le Pablo Escobar. Et j'ai Michel qui m'emmerde. Fais le tour, Michel. Hein. Je te demande pas de t'arrêter pour me regarder, là. Pense qu'à lui, Michel. Plus d'espace libre. C'est pas possible. Combien de coke là-dedans?
Attends, je vais foutre le PQ avec, hein. C'est bon, on a tout pris, non, on a tout pris. Là, il y en a encore. Oh là là, mais lui, c'était vraiment, mais... Ah, là, j'ai fait tomber le réseau, je crois, hein. Oh. Y'a plus rien. Plus rien à tout, peut-être là, non. Ah, du coup, faut que je remonte. Oh, putain, le pauvre, lui, je lui ai niqué ses deux pneus. Ah, mais du coup, je peux plus monter. Sortez du chemin, je t'en... Mais attends, bon, je vais avancer, parce que le gars est invivable. Le gars est totalement demeuré, donc... Je vais avancer comme ça. Non, mais sinon, on va pas s'en sortir. Même comme ça, il y arrive pas, bon. Non, mais je peux pas, moi, je veux bien aider. Bien aider, mais là, si... Oh non, le gars, plus rien, y a plus rien qui va, là. Non, bah, je pense qu'on est pas mal, hein. J'ai tout pris, je pense, là. De côté, j'ai checké. Là, t'as rien devant. Oh, on a fait un beau coup, hein. Ok, on peut fermer tout ça. Pardon ? Hop là, donc tranquillement, on va venir travailler le pneu arrière... Voilà, le pneu arrière droit. Voilà, très tranquillement. Alors ça par contre, monsieur, sortez de là. Sors de là. Bah, je te coupe la main. Sors de là. Où est votre voiture de police ? T'es en train de... Ah, c'est bon, non, mais excusez-moi, j'ai tué un homme Tuganegalag, là. C'était quoi, un détergent bizarre, hein. Bizarre le détergent quand même. Est-ce qu'il aurait pas tué toute sa famille? Est-ce que je nous ai pas protégé d'un vilain psychopathe? Détergent dans le coffre, bizarre. Fournirait, c'est pareil. Est-ce que c'est une coïncidence? Je sais pas. Est-ce qu'il y a pas des... Bon, attendez, parce que moi ça m'a foutu un boucan tout ça là. Comment je rentre dans ma caisse maintenant? En 40 secondes, putain. Mais ça, en fait, c'est juste, j'aurais dû laisser la sirène parce que, en fait, si je mets pas la sirène, ils se rebellent, tous. Ok, je suis parti. 25 secondes, j'ai jamais le temps. Oh putain. 20 secondes. Oh, j'ai pas le temps. Oh, j'ai pas le temps. Oh non. Oh putain, oh là là, on se fait tirer dessus en plus. Est-ce que du coup, l'embuscade m'a fait gagner un peu de temps ou pas? Je suis pas sûr. 8 secondes, oh c'est mort. Oh c'est mort. Mais il se passe quoi du coup? Ça me fait perdre ma journée? Non pardon, excusez-moi monsieur. Non, excusez-moi. Oh non, tout ça. Non mais c'est vrai que je voulais pas tuer l'autre. Attends, je dois tout reprendre? Ah non, ça te met à la suite. Ma sœur adorée Natacha est morte et à cause de vous, je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé passer? La souffrance humaine ne signifie-t-elle rien pour vous? Vous allez payer pour ça. Je suis un monstre. Je suis devenu un monstre. Toutes ces histoires de libération, de... Ça m'est monté à la tête. Je tue des gens dans la rue. Je dépouille des cadavres. Je suis un monstre. Oh, la remise en question. Oh, en plus, j'ai rien récupéré. Mais du coup, si j'ai rien récupéré, est-ce que c'est une nouvelle journée ou juste j'ai perdu ce que j'ai fait? T'es même pas viré. Ah bah, j'ai un poste en même temps. Si tu veux, je fais partie des... Non mais attends, on l'a déjà fait, lui, non? On doit tout refaire? Attends, on l'a pas déjà fait, lui? Il faut tout refaire. Oh, j'ai des boutons là. Folio, il rentre pas. Il a carrosserie accidentée. Inspection terminée. Refusé. Juste la journée. Je me souviens pas à quel point c'était long la journée. Ah mais c'est pas mal parce que tu dois refaire et en même temps... Putain, j'ai plus 400 balles, hein. Lui, il faisait quoi, lui? Tu vas pouvoir pré-shot le camion qui force. Bon, me connaissant, je vais l'oublier. Lui, il était bien, je crois. Lui, c'était le poids max, je crois. Ah si, lui, je l'avais laissé passer, or qu'il pouvait pas laisser passer. Non, lui, il y avait un truc douteux, mais je sais plus ce que c'était.
Il y avait un truc douteux. C'était pas le poids, c'était... Non, je crois que lui, il avait juste, en gros, deux miroirs manquants, un pneu crevé. Mais sinon, deux pneus crevés. Mais je l'avais pas laissé passer, ensuite on s'est dit, oh merde. Trop de problèmes sur le véhicule. Non, maintenant, t'as le droit aux problèmes sur le véhicule. Ils te disent, c'est pas gênant. Il y a une vitre cassée, vous avez vu? Non, c'est juste ouvert. Hein. Peut-être un feu cassé. Non, les feux sont bien. Non, les feux sont bien. Attendez, 15 mars par rapport à avril. Non, c'est bon. Il n'est pas en expiration. 11 juin. Tac, IYD. Non, on est tout bon. Hein. Non, non, en vrai, lui, c'est bon, je crois. J'avais quand même l'impression que lui, je l'avais laissé passer. Ensuite, je me suis dit, ah quoi? Mais c'était le poids du véhicule, je crois. Mais le poids du véhicule, 5003, alors que c'était 6002. Bon, on verra. On va avoir la clim comme tout à l'heure. Hein. Ah non! Faut savoir, ça change aussi. Ah, lui, c'était le gars qui nous disait qu'il avait 3 vaches, lui. Ah, mais du coup, c'est lui, le... Ah, mais lui, attends. Lui, en gros, c'est le mec... On commence à les connaître à force. Oui, lui, il n'y a rien qui va. Ah non, il change les trucs. Oh, je suis du père. Nos vides, ça va pas. Février. Il a qu'une vache. 4240. 3008. Oh, j'ai cru qu'il y avait encore un autre truc là. Lui, il lui manque le petit pare-choc. Il a quoi? Ah, il a 37 piges. Ah, il y a toujours le côté H du conducteur 37. Sors du véhicule, toi. Non, ça doit être une vraie vache pour une fois. C'est pas comme les cochons. Faites votre travail, s'il vous plaît. Non, mais il a l'air clean, hein. Il a rien, même s'il a... Parce que, certes, 37 ans. Mais ensuite, 37 ans, faut que... Ça explique pas tout, quoi. On a un petit feu cassé à l'avant. Non, non, il est bien, lui, hein. Enfin, il est bien, mais il passe pas, quoi, mais... Parce que son vaccin est pas bon. Mais sinon, sinon, il était pas mal, quoi. Zafar, Orazaliev, Zafar, Orazaliev, Zafar, Orazaliem. Belle douille en plus, celle-là. Bon, quoi qu'il arrive, tu passes pas, mais... après, non, non, règlement d'entrée, ouais, ça. Quoi, l'histoire des 37 ans? En fait, il t'indique les mecs qui pourraient être des contrebandiers et tout. Attends, lui, du coup, là. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Je prends un peu d'élan, je prends un peu d'élan. C'est infernal. C'est infernal. J'ai pris de l'élan. Moi, je la vois dans la tête. Hein. Moi, je la vois dans la tête, celle-là. Ah, mais c'est pas mal, du coup, que les deux trucs soient différents. Les pneus. Je veux la tête. Je veux la tête, je suis comme ça. Les pneus, c'est pas... Ça manque de waouh, quoi, tu vois. Alors qu'une balle dans la tête comme ça, je pense que tous les mecs à l'avant-poste, ils me regardent en se disant « Camarade ». Ouais, c'est déjà beaucoup quand ils disent ça. Hein, les Slaves, ça parle pas beaucoup, quoi. C'est... On a peu d'émotions, donc... Putain. Coup dur. Coup dur parce que j'étais bien sur la course-poursuite. T'aurais pu mettre ton véhicule pour qu'il bloque la... Oui, non mais les gars, je l'ai fait. Pardon, excusez-moi. Je comprends juste pas, en fait, PA, enfin... Là, ça fait deux fois qu'il passe. Enfin, il y avait tellement de moyens de le bloquer. Je sais pas, par exemple, toi. Enfin, bref, c'est pas grave, quoi. Mais bon. Sinon, tu comprends pas, quoi. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas que moi, je veux faire quoi? Je veux faire ça! Wouh! Wouh! Il y a encore ce truc-là, là. Bon, du coup, je laisse en haut. Ah, mais j'ai plus toutes les bonnes armes, là. On va re-avoir le même problème, là.
Moi, je suis un ziou loupé, tu vois, donc... je peux mettre des têtes que... Oh là là. Excusez-moi. Oh, les vapeurs de coke, là, qui... Oh. Tout pour le boulot. Tu perds de l'argent en les tuant. Non, moi, j'ai rien perdu, là. Ok, très bien. Oh, ok. Je suis désolé, je suis obligé de laisser, sinon on va devoir faire une bavure comme tout à l'heure. Tu vois, parce qu'au moins ils se mettent vraiment sur le bas-côté, là. Y a pas d'embrouille, y'a rien du tout. Parce que ouais, en fait, le truc, c'est que ça nique tes armes et tout, quand même, donc... c'est ça qui peut être vite dangereux, quand même. En termes de matos, quoi. Voilà, typiquement, ouais. Typiquement, là, en vrai, y a d'autres choses où... Là, j'ai plus rien de contendant, non ? Enfin, de... Ah si, j'ai encore un scalp. Donc ça va. Cet inventaire de Camelot, ouais, j'ai beaucoup de merde que je me traîne. Ouais, c'était pas dans le capot arrière. Non, on a tout, hein. Ah si, là aussi, je crois. Oh ! Ah, c'est vrai qu'il y en a partout, là. Non mais là, lui, c'est vrai que... Il était vraiment venu pour en finir, lui. Hein. Lui, c'était la mule ultime. C'était le coup de sa vie. Après, il aurait plus jamais bossé, là. Ah, c'est des risques. Hein. Oh là là, la petite... Vous avez vu comment elle est sournoise, ici? On la voit pas du tout. Hein. Je peux jeter des trucs? Je sais pas si ça vaut le coup, ouais. Bon, j'ai jeté une munition. Ah, il y avait là aussi, là, peut-être. Attendez, deux secondes, faut que je recule. Alors, attendez, je recule juste pour ouvrir là. Non, c'est bon. Sous le siège? Comment ça, sous le siège? Voilà, y a pas plus de possibilités, là. Hein. Non, c'est bon, là, je pense. Hein. Je pense qu'on a tout clean. Hein. Par contre, faudra vraiment clean la caisse, parce que... Passager, j'ai l'impression d'avoir tout fait. Non, je pense qu'on est bon, les gars. Je pense qu'on est bon. On la répare. De toute façon, c'est 50 balles. Ok, on est reparti. De toute façon, j'ai plus de place. Je vais devoir jeter. J'ai jeté un truc de munitions qui était pas gênant à jeter. Mais sinon, ça commence à pas être rentable de montrer la, enfin, de sortir la coke pour genre 10 boîtes de munitions. Je suis où? Ah oui, je suis là, ok, je fais le tour par là. Donc en vrai, je pense que... Ok, attention. J'aimerais tellement qu'on répare ma caisse. Parce que la caisse, elle fume vénère. Hein. Oh là, je pense que s'il y a une embuscade, c'est la fin. Y'a pas une embuscade tout à l'heure? Là, genre? Non, c'est à gauche que je vais. C'est à gauche. Non, c'est bon, y a pas d'embuscade. Ok, tout va bien. Ça aurait été un coup dur. Ok. Ouh. Ok, bah très bien tout ça. Tiens, répare-moi tout ça, frérot. On est bon. Oh, ah bah oui, c'est le mec qui a forcé le barrage. Est-ce que j'ai des gars en tôle ou pas? Je crois pas depuis le dernier clean. Hein. Non. Hey, ça va, Moscovitch? Ça fait jamais chier, lui. Ok, parfait. Je vais juste récupérer dans la caisse. Hop là, et on va ouvrir. Alors, du coup... Dans mon petit coffre... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, ça. Oh, la hache de feu. Oh bon, j'aurai une hache de feu dans le coffre, quoi. Comme ça, on est bon. Alors, qu'est-ce que t'as, toi, mon gars? Hey, commandiro. Oh, tu veux acheter à 30 balles? Ouais, ça me va bien. Oh, je l'ai acheté à 29. Mais honnêtement, j'avais pas fait une super affaire. Par contre, des sacs de pommes de terre,
Là, c'est Maxi Bénef. Hein. Maxi Bénef. Bon, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, mon gars. Donne-moi tes papiers. Moi, je suis commandant, moi. Nasser. Nasser Kokmaz, Kokmaz. Nasser Kokmaz, G2, 4S, 3V, ok. Il a quel âge, le man? 37 ans. Transit, ok, pourquoi pas. No vide. 27 février, mais du coup, t'es bien. Nasser Kokmaz. Ça, mon chat. On a quoi là? Oh là 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 là. Oh putain, mais c'est fou que ça soit juste hors caméra, toujours, tous les moments d'affection. C'est pas 37 là, je chie, mais je. Ah! On a toujours quelqu'un de louche de 37 ans. Et ça, c'est un hasard V son truc? 2890 kilos. Bien hasardé. Tiens, tiens, tiens. Direct, je vois ça. Ni une, ni deux. Ni une, ni deux. Boum, boum. Allez, hop. Allez, hop, descends. Descends, mon pote. Allez, hop, là. C'est la zonze. La tôle. On y va. Le mitard, comme on dit. Ça part. Ok, un petit criminel de plus. Attendez, je suis full stuff, donc on va déposer déjà, parce que sinon, on va se retrouver dans la même merde, en fait. Ça qui est fou. Peut-être reprendre ça, qui va nous servir quand même. Oh là là, mais lui, il a toujours une dégaine, lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans, là ? Faudrait que le mec... Oh, il y a partout, là. Faudrait que le mec repasse en fait Vlad là parce que. Je t'améliore. Attends, le gars il voit pas que dès que je suis en intervention extérieure ou quoi parce que. Question qui me prend pour un con là, mon soi-disant colonel ou je ne sais quoi. Et encore là. Y'a plus rien. Y'a jamais dans le toit en fait. Si. Ok, parfait. Oh, mais il a peut-être là-dedans et tout, lui, il peut y avoir tellement de trucs. Ça, à l'intérieur, il n'y a pas trop non plus, je crois. Ah oui, il y a là aussi. C'est juste x1. Ok, c'est x1. Il me reste quelques petits coups de couteau. Non, c'est bon. Ah, ah. C'est vrai que je galère à voir à chaque fois. Numéro 1. Hop, j'optimise. Ouais, ça, on sait jamais d'où ça tombe vraiment. Ok. Bah, je pense qu'on a tout fait. Je pense qu'on a tout fait. C'est bon, tu peux me balayer ça. Il y a une finalité dans le jeu, haute quête douanier. Bah, c'est pas mal, justement, parce que le jeu avance pas mal avec le côté libération, résistance et tout. Bon, là, ils ont foutu un arc Covid, là. Ok, je me reprends mes petits trucs. Et c'est la nuit, là. J'ai pas vérifié la marchandise. Ah oui, merde. Il y a peut-être des trucs dedans. Ah, dommage. Dommage, c'est con. Ah, c'est con parce qu'il devait y avoir 2-3... Ah, 2-3 trucs. Tu peux améliorer ta caisse. Ouais, en vrai, tu peux tout améliorer. Ce qui est plutôt sympa. Ah, on est attaqué, putain, c'est mon mot. J'ai le snipe. Ok. Attention, attention, attention. J'ai plus de grenades. Oh, le snipe, il est catastrophique, mon frère. Je one-shot même pas les mecs, putain. Mort, quand même. Sors la tête. Tu vois, on comprend pas. Oh là, c'est... En fait, faut pas viser là où il y a le truc, quoi. Splinto, merci. Alors, on a l'impression que ça touchait là. Est-ce qu'il faut viser là où il y a le petit truc ou. Tu vois, de temps en temps ça marche et. J'avance, vous en faites pas. Lourdement blessé. Oh putain, ils ont pris la grenade pleine poire.
Nul ça. Ah mais là il se découvre pour moi là. C'est pas très clair les situations de... Ah je peux pas, je peux pas. C'est donc ça l'e-sport. Putain mais les mecs ils viennent en boucle là. Tu vois parce que c'est quand même... Ah si en fait faut juste avoir le... comme ça là. En fait. Oh merde faut recharger. Y'a pas un gars qui a percé là? Non c'était bon. Oh il a bougé. Le con. C'est infini là. Oh je loupe. C'est pas si pratique hein ça. Moi je suis... Nouvelle arme sniper go corps à corps. Non mais en fait là c'est... Putain mais il meurt pas lui hein. Non mais là c'est... Oh putain mais qu'est-ce qu'il fait lui? Aïe. Mais tu vois le pompe au corps à corps qui tue pas c'est... Mais là on est censé mourir, y'a combien de gens là? Ah c'est une horde jusqu'à 25 secondes. Ah putain mais je recule. Oh là là, je vais crever. Aïe! Arrêtez! Oh, je me mets là. Pff, il faut beaucoup plus mal que prévu. Hein. C'est pas un snipe, mais un semi-auto. Moi, on m'a vendu un sniper. Là-bas, au fond, je les aide. Ils sont où, les cons, encore? Ok, c'est bon, je peux revenir. J'ai l'impression de jouer à Wolfenstein là. Des hordes de... Tu vois là, ça touche pas ça. Ah là si. Ouais c'est pas très clair. Hein. Tu vois là par exemple. Là j'ai l'impression quand même d'être assez tu quoi. Ah ouais c'était peut-être un peu à gauche. Bon on est où là? Non parce que... Faut les empêcher d'arriver. Non il en reste deux là. Bah. Enfin. Didier. Ouais bon là après ils nous mettent des attaques de plus en plus longues mais c'est pas pour autant plus difficile quoi. Ah ils se barrent tous en plus, je récupère aucune munition. J'ai envie de jouer à Valo là. Ça me donne envie là de faire un 0-18 sur Valo là, ça peut me donner envie que de ça là. Bon là on peut aller se coucher quoi. Ok. $1200 quand même. Ah oui, Call of Duty 2, ouais. C'est attaque rentable quand même, attaque rentable. Faut tuer le dernier après avoir tout looté. Ouais, après, bon. Ça peut. 1100 avec le blessé. Moi, je pense, c'est vrai que je suis deck de... conflit dans le sud. Tu vois, moi, j'aime bien quand le chapitre avance. Du différent entre nos voisins du sud, nous attendons à une augmentation du trafic de marchandises à la frontière. Pour sauvegarder l'économie nationale, le parti a introduit des restrictions appropriées. Ça, j'aime bien, ça, tu vois. Ça, c'est l'aspect qui me plaît, moi. Le transport de marchandises provenant des pays du sud est temporairement restreint. C'est quoi les pays du sud? Attends, parce que deux secondes, là, juste. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait cours de géo, donc... Attendez, on va revenir en menu de base. C'est où les... Là, pays. Mais Attends, parce que du coup... Albarin. Et tous les pays, c'est au sud ou... Temporairement restreint la quantité maximale de marchandises par catégorie. Nourriture x6, appareil ménager x3, produits chimiques x4. Temporairement restreint. Tous viennent du sud, non, pour moi. Attends, on va savoir. On a une carte. Dans le journal. Je l'ai... Tension armée entre le Kagastam et l'Albara, qui durait depuis des années, ont fini par fermer la frontière entre les pays et rompre tous les contacts diplomatiques. À la suite de ce différend, notre pays est devenu une nouvelle destination d'exportation pour nos voisins du Sud. Pour le bien de l'économie nationale, le gouvernement introduit des restrictions du transport. Ok. Ah, la crise est mentalement... Sur le jeu plutôt équilibré entre farm et histoire. De ouf. Ah, t'es, c'est le pile le bon truc, ou tu vois là, après des attaques comme ça, embuscades et tout, t'as envie d'avoir une avancée d'histoire. Mais...
Mais j'ai du mal à comprendre juste exactement. Est-ce qu'il faut juste reconstituer la carte, tu vois, dans l'idée où... Je peux plus. Je veux se dire qu'à droite de... Je pense que ça, c'est... Ah, je peux juste plus cliquer à gauche, en fait. Ouais, je pense qu'ils sont tous du... Ils sont tous du sud. Hein. Alors, numéro... Alors, on a un numéro de certification. XB. 42 piges. On cherche un miroir manquant. Akaristan. Couleur orange. Bonsoir. C'est... On repasse le bac, là. Alors, bon, donne-moi tout, toi. Tu es une frontière, généographiquement, tu ne peux pas avoir des pays du nord et du pays, des pays du sud. Oui, non, mais... Enfin... Comment ça? Parce qu'on sait pas entre quoi et quoi. Non, mais là, déjà, directement, là, on voit qu'il y a déjà erreur, là. Là, déjà, le truc est expiré. Oh, y a rien qui va, y a rien... On va commencer comme ça, monsieur? C'est comme ça qu'on va commencer? Ici aussi, ça va pas? Oh là 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 là, mais monsieur, mais s'il vous plaît, me faites pas perdre de temps, là. Oh, vous avez quel âge, vous? Oh non, parce que là, moi, j'ai des journées, mon gars, j'ai des journées. J'arrive jamais à monter, toujours ces squats, là. Est-ce qu'il a des trucs là-dedans, vous pensez? Je sais pas. Hein. C'est ça que je vous le demande. Oh, ça, on n'a jamais rien eu encore dedans, c'est... C'est next step, hein. On se le souhaite, hein. Vas-y. Ok, très bien. Vas-y, range-moi tout. Range-moi tout. Alors bon, lui, de toute façon, il est mort, il pourra pas passer, hein, mais c'est plus de checker. Est-ce qu'il y a quoi, là? Il y a du miroir manquant. Il y a du miroir manquant? Il n'y a pas de miroir manquant. On a quoi? On a des feux pétés ou pas? On a même pas de feu pété, hein. Il est pas mal, hein, sa caisse. Hein. Ah si, il a une fenêtre cassée, quand même. Il est en fenêtre cassée. Et bah, y a beaucoup de trucs qui vont pas. Hein. Et les restrictions de savon... C'est quoi les restrictions exactes? 6 nourritures, 3 appareils ménagers, 4 produits chimiques. Ouais, t'étais bien. Hein. Est-ce que savon plus risque biologique, ça fait... Ah si, ça fait ça, c'est plus produit chimique, ouais, c'est ça, le savon est considéré. Donc du coup, il remplit pas non plus le règlement d'entrée. Carrosserie, x2. Bah pourquoi? Où ça, selon vous? Ah, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a un trou, mais je crois que c'est juste la caisse qui est comme ça, non? Non, c'est vrai qu'on dirait qu'il y a un trou, là, quand même. Pas si la caisse est comme ça, vraiment. Peut-être quand même un peu de carrosserie accidentée, là. C'est vrai. Ok, attends, juste, est-ce que je peux pas te vendre avant un paquet de clopes? Oh, du PQ, oui! Ah bah oui, 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 ça j'adore. Je vends un petit PQ. Tiens, et je te refuse. Comme ça, c'est parfait. Ah, désolé, désolé. Monsieur Ilmaz, toutes mes amitiés à Bourak. Ça passera pas cette fois, ça passera pas. Je vais charger mes armes, moi, parce que... Avec tous ces gens qui essayent de passer la frontière en force... Alors, mon petit gars... Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Dis-moi. Méchant Kagastaman. Ils nous harcèlent depuis que nous avons découvert des gisements de pétrole dans les terres de l'Est. Nous ne les abandonnerons pas sans combattre. Oh, très bien, très bien. Date de naissance, 150. 31 ans. Hakim Badran. Il est partout, Hakim Badran. Ah déjà là, il a 5 trucs barils de pétrole, donc ça le fait pas là. Bottes de foin. C'est quoi ça? C'est des matériaux, ça, c'est nos limites ça. Et déjà là, il y en a 5, hein, donc techniquement pour moi, c'est déjà règlement d'entrée. Hein. Non, c'est 5, non, c'est 4 le règlement. Ouais, c'est 4 produits chimiques. C'est vrai qu'il est Géchard, Hakim. Hakim, c'est 6230, 6440. Boum, ça top. Alors là, mon gars, là c'est l'enchaînement là. Hein. Ah, il y a rien qui va. Hein. Vous me faites perdre mon temps. Bah mon gars, tu vas pas passer, ça je peux te dire. Donc ça va être compliqué pour toi là. Si tu me parles mal en plus, je peux faire un petit tour en zonzon que personne n'a envie. Je te le dis.
Boum 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 boum. Boum 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 boum. Ok, rien. 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 Là, toujours. Oh là là. Ça, c'est vraiment le dream. Rien. Rien. Bon, il est clean. En vrai, lui, il est clean, juste, il va pas pouvoir... Il va pas pouvoir passer, mais il était clean sinon, quoi. J'ai pas tout compté. Botte de foin 7. Oh merde, j'en ai loupé. Oh merde. Il y en a une qui se cache. Là, c'est bon. Et du coup, 11, 3 caisses à pharmacie, 3, baril pétrole 2, mais du coup, il y a trop pour moi, il y a trop. 5 engrais, une cuisinière à gaz. Il y a trop, donc il peut pas passer non plus pour ça. Et il doit avoir des petits trucs genre fenêtre cassée, tac tac, juste les pneus, boum boum boum. Non, c'est pas mal, c'est plutôt en bon état quand même. Hein. C'est plutôt en bon état son rafio. Rapport, en règlement, poids. Sinon, sur le reste, c'était bien. Désolé, c'est refusé. Pourquoi il y a trop de base, c'est 4 produits chimiques et là, il y en a 5. En plus du poids, justement, qui était trop lourd. Et il avait un petit feu arrière en plus. Ouh, on a cru que ça allait accélérer. Par contre, je suis curieux de. Putain, le truc est fin là, ça me régale que. Oh, c'était parfait, c'était un 10 sur 10. Oh, le bonheur! Paquet de clopes à 49 balles, il se fait pas chier lui, il profite. Hein. Toujours appartenu au Kagastamu. Kachali veut reprendre ce qui est à nous. Mais là, du coup, on a tout le monde qui vient et qui nous fait son petit laïus là. Arvin Duduri. Duduri, t'as l'air d'être bon toi. Ouais, pourquoi pas. Bon, 23 mai, c'est bientôt la fin. Hein. Aïe aïe aïe, date d'expiration. Ah là là, le passeport qui passe pas, le passeport qui passe pas. CXL. CXL, c'est bon, les mecs pensent me la faire à moi. Bagage 4, savon 5, c'est tout juste le savon, c'est tout juste, je te le dis mon gars. Là... Je fais perdre mon temps. Ah, mon gars, on va voir si je te fais perdre ton temps, toi. Avec ta voiture orange, tu crois que je la vois pas la voiture orange comme ça? J'en vois tous les jours des voitures orange. Des voitures de malfrats, là. Ah, c'est quoi, t'as mis ça dans les pneus, c'est ça? Pas dans les pneus. Tu pensais m'avoir sur le pare-choc, peut-être. Non plus. C'est malin, dis donc, toi. T'es un malin. Ah, pop, 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 pop! Oh, le bonheur, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un truc là-dedans. Oh, s'il vous plaît, un petit paquet de coke. Pas de paquet de coke, putain, c'est que là-dessus. Oh, c'est une prise moyenne, c'est une prise moyenne. Arme. Rien d'autre. Oh, il tente le tout pour le tout, mais... Quitte à passer la frontière chargée, autant tout donner, quoi. Autant se dire que t'y vas à fond. Ah, mon gars, c'est la tôle. Ah, si, Arasto. Merci à Mosiens. Pour les 7 mois. Et Rosix aussi, j'avais pas vu 8 mois de sub. Et Chav. Bon, deux prisonniers, on va bientôt appeler... J'adore entrer les gens de la carrière. C'est ce qu'il attend, putain. Bon, ouais, on a pas... Je pense que là, on a à peu près tout fait. Hein. On a à peu près tout fait. Donc, c'était le mec qu'on voit à la voiture orange. 2200. Non, mais 2200, surtout que là, je vais bientôt commander... Ouais, je pense qu'on va s'acheter un fusil. Hein. Sobre, efficace. Hein. Augmente la taille de la prison. Oh, c'est pas comme si non plus on croulait sous les demandes. Hein. XEB, 42 ans, miroir manquant, à Karistan. Voilà, déjà, il y a un pneu arrière, là. Ouais. Ouais, papier, ouais, ça te fait pas chier, c'est vraiment nécessaire. Mais toi, tu vis où, toi? Toi, tu vis où, là? Barry, botte de foin, BR9C, ok, boum, boum. 13 mai, la date d'expiration, t'as de la chance. Barry Zorgit, t'es en Grazouk, t'es en... Ouais, il est en Grazouk, en plus. Hein. 4050, ok. UHH. UHH. Putain, il est bon, lui. Si tu l'augmentes, t'appelles moins souvent. Ouais, mais ça fait de l'argent aussi de l'appeler. 13 bottes de foin, une caisse de pommes. Pardon, pardon, excuse-moi. Petite erreur. Alors, je comprends l'énervement. Petite erreur.
attention à pas quand même être manqué de respect, juste une petite erreur. Petite erreur. Qui n'a jamais fait d'erreur? Je vous le demande. Oh, putain, la caisse de pommes, ça pouvait tellement. Non, bah clean. Hein. Un petit tour juste vite fait sur les pneus. Il lui manque quand même le petit pare-choc avant. Pare-choc manquant, je crois que j'ai vu une fenêtre cassée aussi. Je vois quoi? Je vois un phare cassé là. Ouais, quand même, ça fait beaucoup, mais... bon, c'est légal, c'est légal. Hein. Il a le droit, apparemment, il a le droit. T'as quel âge quand même, toi? C'est pas 47 piges quand même. 48, c'est 47 ou 48? 42, très bien. Non, bah c'est bon, hein. Prends ta fourche pour la paille. Ah oui, je pourrais. Non, mais là, le souci, c'est que j'ai pas de suspicion, tu vois. Putain, je dois la péter, là. Bon, voilà, j'ai tout pété, quoi. Pour le coup, là... Parce qu'en fait, c'est si jamais il y a un truc dedans, tu le fais avec la fourche, mais... J'ai cru voir une erreur sur le prénom. Non, non, c'est bon. Barry Zorgit. Hein. T'es vraiment piqué de ce jeu. Bah, ouais, j'aime bien, ouais. J'ai dit quoi, ça? Ouais, je l'approuve, mais il a trois trucs. Non, non, celui-là, on l'approuve. Hein. Merci, Nathan, pour les 2 mois. Loïc aussi pour les 4 mois. Les bons primes. Il avait le pare-choc arrière aussi? Non, ça allait, non? On va voir. Ouais, donc 200 balles. Hein. C'est parfait. Hein. Pas me jeter des fleurs, mais c'est magnifique. Hein. Pile poil ce qu'il fallait faire, quoi. On a jamais vu un truc comme ça. Avec ce B40 de pige. Ah, déjà, ça me tend, ça. 34 ans. Efik. Ganshimeg. Ganshimeg. Kagastam. Valable 17 avril. Déjà, tu peux pas rentrer, là, mon gars. Déjà, tu peux pas rentrer. 24 CQ Sido. LAA. Il lui manque un pare-choc avant. Il lui manque le pare-choc avant, le pneu crevé. Ah ouais, le Efik, Eric. Ouais, il est malin, celui-là, il est malin. Hein. Forcément, petite... tu vois, petite visite, pas de... Juste comme ça, on passe un peu la lampe, quoi. Je sais pas si j'ai signalé ce pneu-là ou s'il y en avait un autre. De crever, je crois que c'est lui que j'ai signalé. Non, bah écoutez, je pense qu'on est bon là. Date d'expiration, prénom, c'est juste refusé, mais sans souci quoi. Sans souci, validité du passeport. C'est pas encore fini, c'est totalement fini mon pote, c'est totalement fini. Lui il se fait chier lui. Mais lui il a rien à me dire. J'aimerais bien qu'il me parle parce que. Est-ce qu'on ferait pas une petite belote en vrai? Une petite belote, ça peut être pas mal tous ensemble. Il avait de la carte? Non, c'est bon. Hein. Fin de travail. Allez, ça pionce. Ça pionce, on va acheter un petit fusil demain. Petit fusil, petit fusil. Petit fusil tranquillement. Ça peut être bien. 2400 balles. Ah, on est en place. C'est vrai qu'il faudrait que je vende. En fait, le truc, c'est que j'attends d'avoir un troisième prisonnier pour appeler le gars et vendre et la cam et. Mais c'est vrai que je pourrais limite l'appeler parce qu'en fait il reste un peu longtemps le mec quand même. Je vais faire ça. Je vais l'appeler parce que je pense que je prends déjà 1500 balles en... Je vais l'appeler, je pourrais même limite appeler Vlad. Je pense qu'on prend des sous, mais c'est faramineux. Là, ce qu'on peut prendre. En fait ça aurait été propre que tu puisses avoir un mec qui... Tu vois, 472, donc c'était le prix, juste pour 2 détenus. Super, Nabokov. Je peux encore te parler? 800 balles, tu vois. Et en fait, il reste genre une journée. Donc si je reprends des choses, je peux lui renvoyer, quoi. Ok, ok, on est parti, on est parti. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Il y a des choses, là. Moi, j'ai envie de libérer mon peuple, moi. Qu'est-ce que ça bip là? Qu'est-ce que ça klaxonne? Ouais, il y a le gars qui vous attend, hein, si jamais il y a une connerie. Parvise.
Parvis d'Ava, Parvis d'Ava, 23 EB. Ok, j'aime bien. Valable jusqu'au 14 avril. Bah alors, Parvis, ça va? Date d'expiration, 1980. On n'a pas un souci là-dessus? Y a pas un petit problème, Parvis? Hein? Qu'est-ce à fromage? On vient avec 6 bouffes. 7 bouffes. On a le droit à 7 bouffes? On n'a pas le droit à 7 bouffes, c'est seulement 6, Parvis. Manquerait juste qu'il y ait quelques petits, petites surprises sous les pneus, là, Parvis. Salut, Maximov. Toujours poli, hein, ce Maximov. Hein. Pas un moment, pas un mot plus haut que l'autre. Hein, Parvis. Non, Parvis, juste essayer de me douiller, Parvis, mais... J'ai l'impression que c'est un mec clean, quoi. Allez, on déballe tout, on déballe tout, on déballe tout. Là, on emmène tout, Maximov. Normalement, ça devrait être fait automatiquement, Maximov. Hein. Il y a bien un moment où je sais pas combien vous prenez par mois, mais Maximov, vous branlez rien, hein, je vous le dis. Vous êtes en manutention pour me sortir 3 cartons une fois toutes les 15 caisses. Va falloir se bouger, Maximov, hein, si on veut une petite prime, une petite promotion. Moi, je suis commandant, je suis pas arrivé là par hasard. Hein. Bam, rien. Touk, 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 rien. Touk, 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 rien. Sauf que du coup, déjà, tu vends... Tu... Ah, 46 balles le paquet de clopes en plus. Hein. Et oh. Hein. Et oh, oh. Hein. Ton autre concombre, 2. Sac de pommes de terre, 1. Caisse à fromage, 3. Ah, j'en ai que 3, moi. Ah bah. Ah bah, c'est même pas bon, en plus. Liste des cargaisons. C'est une mauvaise liste de marchandises. Mais du coup, est-ce que... Quantité maximale de marchandises par catégorie. 6 nourriture, 3 appareils chimiques. Ah, je sais pas, là, du coup. Ah, je me pose la question, parce que... Pour moi, pas... En fait, ce qu'il annonce est faux par rapport à ce qu'on laisse passer, mais... Bon, quoi qu'il arrive, il y a trop d'éléments qui passent pas. Parvis. Parvis, tu retournes. Ah, il manque clairement un petit tonneau, là. Bah, un tonneau en moins, c'est quand même... Richie, merci pour les 40 mois. Ça passe du coup. Ah, tu vois, du coup, on sait pas. Bon, on le rejette. Mais on va voir ce qui fait foi. On sait pas. Est-ce que c'est l'écrit? Est-ce que c'est le réel? On se pose des questions. Hein. Moi, je suis. Ça passait pour vous? Attendez, tiens, je te ferme Parvis quand même. Parce que. Allez, bonne journée, monsieur Parvis. Vous avez pas l'air d'être un mauvais bug. On va voir, de toute façon. Ah, ça, j'aime bien. Tu vas 120. Un règlement d'entrée, du coup, ça passait. Ah merde, j'ai loupé des petits trucs. Bon, après... Bonjour, bonjour. Oh là, Valenti. Mikhailov. Mikhailov. 5AKN, XEB. Ouais, XEB, ça me semble assez propre, tout ça. 30 septembre, vous avez quel âge à tout hasard? 38 ans. Ok, pourquoi pas. 990 kilos, c'est quelque chose. 660, vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Je vois un feu cassé à l'arrière. Hop, 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 monsieur. Vous allez descendre tout de suite, monsieur. Hop, faut que l'autre y reste parce que comme ça, je peux l'envoyer. Non, non, pardon. Je me suis trompé. Oh, j'espère que l'autre reste. J'en ai un. Pars pas tout de suite, j'en ai un. Oh là là, super, ça. État d'arrestation. Oh, magnifique. Comme ça. Ah, mais je sais pas si j'ai le matos. Faut peut-être que j'appelle. Oh, je vais appeler Vlad, histoire de me refiler un peu en couteau. J'ai de quoi en couteau ou pas? Ah, je suis un peu léger quand même. Je suis un peu léger, je vais... Je peux pas commander maintenant? Mais comment je vais faire pour tout fouiller, moi? Je peux pas bien fouiller, du coup. Ah bah ouais, c'est... Oh! Ah mais ça, c'est encore un couteau, ça. Ah, il est pété, le couteau, là. J'ai pas un autre couteau? Ah si, j'ai un autre couteau. Oh nice, la chatte. Contrefaçon d'argent. Pff. Oh, ça pleut là. Oh, ça tombe au sol. Vraiment, c'est... Ah mais lui, il a mis par terre comme ça? Ah, c'était ça le truc tout à l'heure que vous me disiez, je comprenais pas. Genre en fait, ça peut directement être comme ça aussi. Je mets beaucoup trop de coups, du coup j'abîme. Pas d'espace libre. On va trouver l'espace. Quelle contrefaçon. Je vais tout filer au gars, je reprends. Salut mon pote.
Hop, 130 balles. Lui, on l'a bien rentabilisé. Hein. Il pourrait être tout le temps là, lui. Ah, mais en fait, Vlad peut pas venir quand il y a déjà lui. C'est ça. C'est ça qui se passe. Hop. Non, il y a tout un travail un peu de... On sait pas qui je suis. Faut que je me représente sous un blaze différent quand je fais... Mais alors, est-ce qu'il a pas d'autres choses aussi à nous cacher, lui? Parce que lui, m'étonnerait pas que vraiment il en ait mis partout, lui. Oh là, c'est au sol et tout, c'est... Casse baissée, là. Au plafond, rien. Là, 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 oh! C'est pas si mal camouflé, quand même, hein. Le gars a fait un effort, quoi. Après, c'est vrai que l'effort est quand même moyen. 3. Oh là là, mais là, on se gave, on se gave. Encore ici? On est dans tous les pneus. Le mec, il y est allé. C'était le coup de sa vie, quoi. Le gars, il s'est dit, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est 40 balles, quand même, ça. Ok, c'est bon. Ouais, je pense qu'on a tout, là. Ça passe ou ça casse. Ah ouais, lui, par contre, c'est un autre avenir. Il n'y a plus de place pour transporter la contrebande. On va faire un effort. Moi, j'en ai encore plein, là. Bah, du coup, tu sers à quoi? Je dois le mettre... Ça doit pas être sur moi? Si, sur moi, ça peut. Ah, fais chier. Bon, bah, je vais foutre à la banque. Oh merde. Est-ce que je pourrais pas améliorer mon inventaire? Parce que c'est vrai que c'est un peu chiant en fait. Je peux améliorer quoi moi? Poste frontalier. Logement. C'est vrai que mon logement je l'ai bien bossé. Hein. Entrepôt. C'est pas ce que... Entrepôt prison, c'est... Tu vois l'entrepôt je pourrais l'améliorer mais c'est pas ce qui... Je passerai à 50 quoi de capacité. En vrai c'est pas forcément le problème quoi tu vois. Là, je peux avoir plus de durabilité, un peu plus de vitesse sur ma caisse. Bon, ouais, pour 600 balles, on va pas se faire chier. Non, moi, j'aurais bien aimé améliorer mon inventaire, quoi. C'était plus ça, peut-être. Combien de temps que tu joues? J'ai déjà 2 ans. Hein. Tout va si vite. Non, moi, j'ai commencé la semaine dernière, je crois. Et là, là depuis 15h, un truc comme ça. Oui, j'aime bien. Tu rentabilises encore plus les dés. Ouais, mais en fait, là, j'étais... Là, maintenant, c'est l'opulence. Là, on a 3400 balles. Là, les questions qu'on se pose, c'est quoi le bon placement? Ah, tu vois, c'est... Un moment, on survivait, nous. Là, maintenant, tu vois, on se dit, oui, comment j'optimise, comment je... Oh, oui, c'est vrai que j'ai du loot par terre. Oh, ils ont... Oh, mes clopes, non! Comment je vais les revendre, après? Pff, oh, là, on a quelques-unes à sauver, quand même. Bon, Mourat. Oh, là, Mourat, Moujat. Boum. Ça se sent pas bon, ça se sent pas bon du tout. Attention, 25 août, septembre 80... Mourat Tariaki, ça transporte du cochon. IIS. Elle fait combien ta caisse? Bon, ça va, elle a l'air bien ta caisse. Bon, après, moi j'aime bien. Transporteur de cochon, j'avais l'air d'être gentil, donc. J'ai pas envie de faire chier. Juste, c'est mon métier, je surveille, quoi. Non, bah lui. C'est lui déjà? Alors, déjà, il y a un petit changement de photo, hein. On n'a pas le droit de passer la frontière avec une photo où vous avez changé de moustache. Gardez la même moustache, les gars, je vous l'ai déjà dit. IIS, peut-être son âge, juste vite fait, 42, 39. Non, mais ça... Bah, ça rentre tranquillement à la maison, quoi. Hein. Voilà. Tranquille. Ça arrive à tout le monde. Pourquoi? Bah, pour plein de raisons, monsieur. Hein. Je vous donne votre petit fascicule, tenez. Après vous... Allez, y a pas le vaccin. Non mais y a plus de vaccin, ils ont réglé la situation, rapide. Honnêtement, ils ont été très très vifs. Hein. Oh là, lui il avait vite envie de passer là. Inspection parfaite, hein. Si vous l'aviez pas eu. Là je commence à être imprenable. Hein. Tadeusz Saar, le père de Amine. J'ai besoin d'entrer dans ce truc rapidement, je devrais être là il y a 3 jours. J'ai entendu parler de ces nouvelles restrictions, mais s'il vous plaît, laissez-moi entrer ou je serai viré. Essaye de me prendre par les sentiments, quoi. Le mec, il vient avec son grâce douc. Le gars, je vois 5 tonneaux de vin, ça va. Et du coup, il le sait qu'il est hors la loi s'il me demande de laisser passer. C'est ça le truc, c'est que. S'il me dit ça. S'il me dit s'il te plaît, laisse-moi passer.
C'est qu'il sait très bien qu'il va pas passer. Faites du stade, il est en train de pleurer. Je pense que... Voilà, clairement, là, il est... Moi, ce qui est en train de m'attendrir, c'est qu'il a quand même un beau véhicule, un beau Grasdouk. Moi, j'ai un truc avec les Grasdouk. À chaque fois que je les vois, je... Peu d'affection pour ces gens, quoi. Après, va savoir, il est juste clean, le gars. Hein. Ça me ferait plaisir que tu puisses passer si t'es clean. Dans ce cas, monsieur, vraiment, avec un énorme plaisir. Hein. Ça serait un régal, mais pourquoi t'es venu en me disant ça, en mode... Genre, tu caches des dingueries, toi. Si tu caches des dingueries, je sais pas, hein, parce que... Mais là, t'as pas l'air de cacher des dingueries, en fait. Ah, je suis obligé de vérifier, là, parce que faites votre travail, s'il vous plaît. Bon, c'est un bon de fou. Tonneau à 23... Engrais 3, sac de café 2, appel entrant. Comptalis pour recevoir les nouvelles commandes. Allez, rentre en 30. Ça en est où du combat pour la libération? On a un update assez peu régulier quand même. Je dois le dire, on n'est pas au courant de fou de ce qui se passe niveau libération, quoi. Moi, je crois que personne sait que je suis dans la... Bon, allez, vas-y. Allez, vas-y, passe, toi. J'espère que je fais pas une erreur. J'ai voulu être gentil, j'espère que je fais pas une erreur, mon pote. Hein. Bon, alors, mais... Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une nouvelle mission? Une enquête? Le passage à tabac brutal et l'enlèvement d'un homme dans le secteur de la Syrie. Ah, c'était parfait. Nous voulons vous occuper personnellement. Mais je suis enquêteur, je suis tout, moi. Oh, je suis l'homme de la situation, je suis l'homme de la Karistan, moi. C'est vraiment... Parler au directeur de la Syrie. Ok, j'arrive sur l'enquête. Ok, je mets un petit gun, toujours le paquet de clopes dans la poche, et la petite pelle, on sait jamais. Putain, tu vois, ça aurait été bien d'avoir un employé où je peux lui dire, vas-y, fais les prochains, quoi. Comme ça... Je sais pas du tout c'est quoi la durée de vie du jeu. Peut-être que je peux lui dire là. Ah non, c'est vraiment plein, quoi. Il reste là, mais c'est plein. T'es le seul policier du pays. On n'est pas beaucoup, beaucoup. C'est vrai que... C'est vrai que ça joue, quand même. Dégagez, or que je suis en sirène! C'est pas du tout là, non? C'est où, la Syrie? Ah si, ça va, c'est pile poil là. Nous avons des détails sur l'enlèvement. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi des infos. Le ravisseur est Grigory Belov, notre agent secret dans le gang. Dépêchez-vous, sa vie est entre vos mains. Mais est-ce que faut pas que je le laisse se tuer? En fait, quoi qu'il arrive, tu dois réussir la mission. Attends, ça c'est des méchants, ça? Attends, il se passe quoi, là? Parce que... Ils sont où? Il y a une heure environ, un type s'est arrêté ici. Il s'est garé dans les bois et est resté là un moment. Stanovka? Allez, plus vite, plus vite! Allez, allez! Il avait l'air d'attendre quelqu'un. Dès qu'il est sorti, une zavette noire est apparue soudainement, d'où sont sortis en courant trois types cagoulés. Ah, on est sur un kidnapping classique, là. Oh, j'ai besoin de plus d'infos. Le pauvre homme a reçu une sacrée raclée. Quand il était inconscient, ils l'ont mis dans le coffre et sont partis vers le sud. Vers le sud. Vers Vlad. Je m'étonnerais pas, c'est pas son première affaire, à lui. Fouillez la voiture, allez où la voiture? Là? Je vois une voiture. Je me dis que c'est celle-là. Il y a un truc derrière. Ça, portefeuille. Demandez au directeur les infos sur Kozlov. C'est qui? Dimitri. Il a encore dû se mettre dans le pétrin. Il travaille ici depuis un an. Il fourre souvent son nez dans les affaires des autres. Ah, foutu Dimitri. Mais toi, est-ce que t'es pas un peu louche aussi, toi? Parlez à Kozlov. C'est l'autre? Dimitri? Ah, mais qui est Kozlov, alors? Ah, c'est toi? Ah, c'est pas toi. Oh, je suis perdu. J'avais pourtant toutes les infos face à moi et tout d'un coup... Dimitri! Dimitri, il est là, qu'est-ce que t'as fait?
C'est devenu vraiment stupide, je pensais trouver quelque chose de valeur. Travailler dans une scierie n'est pas une promenade de santé. Et j'ai une famille à charge. T'aurais pas pris un petit billet, toi, pour un... Hein? Ce que j'ai trouvé, c'est ce carnet. S'il vous plaît, prenez-le et oublions tout ça. Allez, donne. Je me rapproche de la vérité, je dois vérifier d'autres pistes. Parlez à votre vendeur d'outils. Fouillez l'entrepôt de l'auberge de l'ours ivre. Demandez aux ouvriers de la scierie. Explorez les ruines à proximité de la carrière. Oh putain, fouillez les vieilles ruines. J'y vais, de ce pas. Toc, 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 toc. Où sont les vieilles ruines? Oh, elles sont si loin. J'y vais tout de suite. Sans sirène. Sans sirène, mais du coup, c'est peut-être un accident sans sirène. Sur ces questions qui se posent. On va aller voir Vlad, on va enquêter. Parce que dans les vieilles ruines, il peut se passer des choses. Hein. On le sait, ça. Oh, le virage, il était bien parti. En vrai, j'ai voulu le prendre un peu court. Je pensais que la caisse allait chasser du cul un peu plus. Ah, je me suis pris pour Sébastien Loeb là-dessus. Ah, je sais pas, j'ai vu le virage, je me suis dit, je dois le prendre agressif, celui-là. Celui-là, je suis obligé de... Ah, mais putain, c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'adhérence, quand même, hein. Peut-être améliorer la voiture aussi. Si t'avais une voiture en niveau 2, tu serais allé plus vite. Pff, m'en parle pas. Mettez-vous sur le bas-côté. Comment on y va là-bas? Ah, y'a un chemin un peu plus loin. Ok, parfait. Peut-être améliorer les routes. Ah, y'a un petit chemin, mais... Oh putain, pourquoi il y a des ennemis partout? C'est le pire sniper. Hein. Oh là là, c'est le pire sniper. En plus, je mets la caisse à un... Wow. Oh mais c'est pas possible. On voit rien dans le jeu. Faut que je recharge. C'est une arme des années 14. Ils ont vendu ça aux flics, je sais vraiment pas comment... Oh, je suis... oh putain, grenade. Oh, je peux... Si je fais le tour, j'ai plus de balles. Ok, c'est bon, je peux avancer. Ils sont encore 28. Je les entends se rapprocher. Des cris. Oh, est-ce que c'est des ennemis ou juste des fans? Non mais la gros... Oh là là. Oh mais est-ce que le pistolet est mieux? Oh, on ne sait pas, on ne sait pas. Oh lui si il sort. Oh putain la feinte. Encore des gens mais c'est pas possible. Vous êtes des hooligans là, c'est... Les vibes Medal of Honor. Oh ouais. Socom? C'était Socom? Comment ça s'appelait déjà? Socom, je crois. Par contre, je sais pas combien j'ai tué de mecs dans ce jeu, mais... ça rigole pas du tout, quand même. Hein. Plus que depuis le début sur mon aventure Valorant, encore. Oh, bah, encore. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est Philippe, là, lui. Non, c'est juste le fermier du coin. Lui, il en a profité pour sortir le fusil. Là. Il a pas bien compris le principe du truc. Il s'est dit, je vais mettre quelques cartouches, là. Je vais envoyer, sortir la vieille... Oh bah pardon. Belliqueux. Alors... Oh, des balles de snipe, ça c'est bien. Ah, munition pour fusil, si seulement j'avais un fusil. Hein. La lettre. Nous avons découvert qu'un des nôtres est un agent double. Grâce à lui, Yvan a été envoyé dans un camp de travail hier. Soyez vigilants, la police est sur nos traces. Oh Boris. Dossier KGP, 100$. Boum. Ah, oh, c'est donc eux. Les contrebandiers ultimes. Je peux pas voler des trucs, là, en vrai? Je peux pas taper un peu sur... Je peux pas prendre ce paquet de clopes. Oh, le fait que je puisse pas le prendre, ça me... Ça me fait chier, voilà. Je dis le mot. Oh, je le dis. Puisque vous voulez. Bon, pas mal. Ah, pour on recharge. Il n'y a plus personne. Là. Putain, mais c'est vrai qu'ici, on n'y était jamais venu encore. C'est un dépaysement. Allez, marche arrière.
Hop. Attends, je suis arrivé par là? Je suis arrivé par où, moi? Oh là là. C'est un chemin? Plus ou moins un chemin, quand même, hein. On est plus ou moins sur le chemin, là. Telzark, merci. J'ai coincé la caisse. Non, c'est bon. Je peux retrouver la route juste là, là. On le ravin. Ok, tout va bien. Ok, on va au camp de travail. On fait quoi? On va interroger le dernier arrivé, là? Peut-être, hein. Oui, parfait. Le truc, c'est que si j'améliore la caisse, honnêtement, elle va aller tellement vite, elle va être incontrôlable. Je vais prendre tous les murs. Ok, mon pote. Vous voulez probablement dire Ivan. Ce type n'est là que depuis quelques heures. Il a déjà réussi à tabasser un autre détenu. Ah ouais, c'est un dur à cuire. Captain Bicep, merci pour les 2 mois. Vous le trouvez dans la fosse avec les autres. C'est le chauve avec la barbe rousse. Je doute qu'ils veulent vous parler en toute bonne foi. Chauve, barbe rousse. Ok, merci. Attends, je vais juste couper parce que... Voilà. Alors ça met un climat... Dans la fosse, c'est là la fosse. Ah oui, putain, c'est l'ambiance là. C'est qui le chauve? C'est toi le chauve? Ah, t'es pas du tout roux, toi. Ah, c'est... Ah, voilà! Ça, c'est mon Ivan, ça! Oh, barbe rousse, il était pas loin, quand même. Hein. Du coup, il y a genre plusieurs fosses. Ou alors, Ivan est juste parti, en fait. Peut-être qu'Ivan a tout simplement fugué. Ivan? Ivan, Ivan! Il est où, le Ivan? Hein, où est-ce qu'il est, mon Ivan? C'est pas toi, ça. Hein. On le voyait de dos, déjà, que t'avais un peu de cheveux. Ivan se cache. Ah, bah, Ivan, on a rien à foutre. Ivan est clope au bec. Salaud de policier, vous pensez que je vais vous dire quelque chose? Je mourrai plus tôt. Voilà, on va commencer déjà. Ah, la même, du coup. Je pensais que balle dans le genou, c'était efficace, moi. Je mourrais plus tôt. Bah, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Je t'ai déjà mis une balle, normalement, mais bon. Allez vous faire voir. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, je te tire dans le pied, dans le doigt de pied. Ok, laissez-moi tranquille. Les gars... Ah, c'est 2 balles, son tarif, à lui. Les gars ont dû l'emmener au cimetière il y a longtemps. Ok, Ivan. Pas de soucis. Non, en fait, il est insensible du genou parce qu'il a toute une histoire. Il se fait poser une prothèse, etc. Donc, il l'a pas senti le premier coup. Par contre, le doigt de pied est très, très sensible, Ivan. Ah, Ivan, faut savoir que... non, c'est... Et comme ça, il est comme ça, on n'y peut rien. Il se met à table directe. Ah oui, non, je peux faire le tour par là, c'est vrai. Je connais ici. Oh là, attention, monsieur. C'est pas parce que vous êtes un détenu que vous avez pas de droit. Oh, je vous roule pas dessus, moi. Ok, fouillez le cimetière. Ah, mais c'est là où il y avait la coke récemment, là, non? Cimetière, on va se faire un coup de périph. On se fait un coup de périph, on se fait une grande boucle. C'est parti. On est parti là-dessus. C'est que la sirène te permet quand même de... oh là, le gauche-droite. Ouh là là. Bon, la voiture, elle se déplace en latéral. Aïe, 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 si près. Il me faut... J'ai une pelle. Attendez, parce que vous dites un truc vrai, là. J'ai une pelle. On est reparti. La pelle, c'était un très très bon guess, hein. Ah, c'est fermé pour travaux, le truc entre l'auberge et Vlad, là? Ah ouais, non, mais ça... C'est pas un cyprès, mais un sapin. Ouais. Oui? Que me dis-tu? Ah, vous êtes bon. Vous êtes bon, parce que j'ai dit cyprès, c'est ça le... Au début, je me suis dit, putain, c'est un spécialiste conifère. Que vous êtes juste bon, en fait. Tu vois? Parfois, on cherche une raison. Non, non.
Y'en a pas, y'en a pas. Trouvez Belov. Belov! Ah, Belov, c'est l'agent double. Ah, ils l'ont balancé, mais du coup, il va être. Il est enterré, non? Comment ça marche généralement, les mafieux? Ils te mettent dans le caveau, non? Ils te mettent. Ah, mais s'ils l'ont enterré vivant. Non, ça, c'était la cam la dernière fois. Ils l'ont foutu quoi? Dans un caveau? Bah, après, c'est pas ouf comme prison. Non, on vérifie que Belov soit pas. Non, ça a pas de sens, je pense, dans un caveau. Je vais faire celui à droite, là, mais je trouve que ça serait pas hyper sensé, quoi. Tu vois, t'es pas... Le mec peut se barrer dans l'église, peut-être, mais l'église pouvait pas y aller la dernière fois que j'y suis allé, j'ai fouillé. Non, pas UV, non, parce que faut... Ah, j'ai pas le droit, tu vois. Pourtant, peut-être dans la porte de derrière. Oh, la porte de derrière, j'ai le droit. Oh, putain, il est là. Par ici, camarade. Oh, putain, comment tu vas? Oh la vache, il y a du mort, hein. Je vais attendre une seconde, je vais fouiller un peu, juste histoire de... Parce que j'ai aucune race, moi, donc... Voilà, je te le dis, j'espère qu'il n'y a pas de, de blessure fatale. Alors, Grégory... Comment allez-vous trouver? Les gens d'Oberkamp sont torturés ici, j'ai réussi à m'emparer de leurs armes. C'est fort, quand même, hein. Cette moustache, par contre, vraiment, Grégory... C'est preuve de la coopération entre le gang d'Obernakov et Bloody Fist. J'ai appris les noms, et des mots à relever, je crois qu'il faut que j'aille à l'hôpital. Grégory, sais-tu qui je suis? Piotr Alexei. Ce tombeau sera ton tombeau. Votre tombeau, dommage. Voilà, bienvenue chez Jean-Michel à peu près. Rien n'est parfait, tout est à peu près. Que ça soit des refs. Et 1600 balles, hein. Et ils arrosent, hein, le point sanglant. Chosky, 2 mois, merci beaucoup. Ah, mais 5400, mais là, attends, c'est quoi, là? Je vais acheter un appart, là, ou c'est quoi la suite, là? Moi, je vais en ville. Voilà, je me trouve un petit bar, des petites rencontres. Fonder une famille. Pas besoin de plus, là. Mourat. Ah mais Mourat, t'es pas passé il y a pas longtemps, toi, Mourat, là? Qu'est-ce que tu... Marat, Mourat, on en aura le cul, hein. On en aura le cul, là. De... Je peux pas embaucher des gens pour faire ça, là, parce que là, j'ai l'impression que ça y est, je m'envole, là. Je veux gérer une brigade, moi. Je veux gérer une brigade, je veux gérer 5 postes aux frontières, là. Comment on demande un rendez-vous avec son supérieur dans les dictatures? Comment ça fonctionne, ça? Est-ce que c'est au téléphone? Est-ce que c'est... C'est un 0 ou un O, là? Valable jusqu'à 13 avril. Oh là là, 3 avril. Non, mais ça, honnêtement... Je vais fouiller, mais là j'ai même. J'ai pas envie de faire l'effort, j'ai pas envie de faire l'effort là, je lui dis. Non, mais y'a rien là-dedans, y'a rien. Aïe aïe aïe. Bon, allez, ça c'est juste refusé, c'est pas un contrebandier. Non, non, attendez, moi je sors de mission. Attends, peut-être tu veux des clopes? Oh, 50 balles le paquet de clopes, vraiment, décidément. Allez, c'est refusé. Du coup, tu n'es pas un résistant. Je suis pas un résistant, moi. Il y a des gens qui se sont fait Théo pour moins que ça. Hein. Parce que là, honnêtement, j'ai fait 2 dernières actions qui sont stratosphériques. Hein. Les 2 dernières actions, elles étaient quand même monstrueuses. Rouge. Ah, j'ai cru que c'était un mec un contrebandier. J'ai quand même... Attends, je vais améliorer la caisse, ouais, vous avez raison. Est-ce que je me ferais pas un logement... Déjà, je vais appeler Vlad. Je peux pas appeler Vlad. Il y a encore l'autre con, là, qui est encore là-bas, là. Il faut bouger, hein. Faut partir, monsieur. Poste frontalier. Prisonnier, 0 sur 3 magazine, 8 sur 25. Logement. Non, mais là, je peux plus améliorer, là, en fait. Je suis déjà au max, quoi, de ce que j'ai. En vrai, je vais embaucher un mec en plus, hein. Lui, il fait quoi? Garde frontière. Ah, mais s'il est garde frontière, il peut faire la même chose. Quand je suis pas là, il peut me remplacer, en vrai. Ah, mais elle est déjà améliorée, la caisse? Ah, je me rendais pas compte.
Elle est déjà améliorée, putain. C'est pour ça que je prends les murs. Ah ouais, je me disais, moi, ça m'étonnait aussi. C'est tranché, on joue full collabo ou full résistance. Voilà, nous, on est... Attends, et c'est qui le mec Ah, c'est lui le nouveau. Et du coup, il fait quoi? Bah lui, il fait rien, lui, j'ai l'impression. Putain, c'est un emploi fictif, là, qu'on a trop... Le gars, on l'a embauché, c'est... C'est peut-être si le mec, il force le passage, non? Salut la patrouille, salut frérot. 300 balles de coups journaliers. Tu veux pas t'acheter un bon vieux Grasdoug? Je peux, mais honnêtement... Le truc, c'est que c'est bien pour le transport, je trouve. Oh, une lettre? Oh, une lettre! Camarade commandant, j'ai été très chanceux de vous avoir trouvé. J'ai livré la marchandise, littéralement la dernière minute. J'ai appris à ne plus flirter avec les femmes sur la route. Si ce n'était pas pour vous, je serais probablement sans abri maintenant. Vous êtes un très bon gars. Ouais, 200 balles. Oh, merci, merci. Ça me graisse la patte, non mais là... Oh, s'il vous plaît, est-ce que je peux appeler Vlad? Je vais acheter un fusil automatique. Oui. Oui, il approche. Il arrive. Oh, il est là. Vladou. Wouh! Il est là dans son petit camion. Hop là. Ada? Vlad, je veux quoi? Je veux un fusil, moi. Il est où le fusil? J'ai pas acheté le fusil. Oh le bonheur. Oh là là. Oh, on va cartoucher là. Fusil mitraillette. Deux doigts d'acheter la mitraillette aussi. Hein. Quelques grenades, histoire de... Quand même des couteaux, parce que... C'est vrai que les couteaux, on en a besoin, en fait. Un piolet. J'achète deux couteaux, parce que... Une pelle, je crois que j'ai. Oh, j'ai hâte de la prochaine attaque, là. Oh, là, vraiment... En fait, le problème, c'est que tu peux plus rien revendre, après. J'ai trop de matos, moi. Salut, mon pote. Qu'est-ce que tu me dis? Non, mais là, je commence à avoir du mal à être rigoureux, là, sur les passeports, là. Anton, Sergei. Anton, très bien. Cette bagage de détergent. Toujours bizarre, le détergent, comme ça. Hein. Je me permets, mais... 1710. C'est une Azam, ça? C'est une Azam. Eh oui, mon pote. Oh, papa! Maintenant que je suis là, j'allais dire! Oh, quel plaisir. Alors déjà, toi... Hop, Anton, directos. La carcelle, là. Oh, merde! Je parle espagnol, Juan Pablo. Oh là là. Que j'avais un gars qui fait des petits travaux chez moi et en fait il était devant ma porte et j'ai pas entendu. Oh là là. Oh, c'est terrible. Oh, il est là? Juan Pablo, est-ce que yo? No, Juan Pablo. Oh, no, I. Putain, ça veut dire quoi, para regressar? Putain, je comprends rien. C'est un calvaire de... Cette communication est... Si, estoy ahí. Ahí ou à qui? Revenir.
Oh putain, ça veut dire que vous allez te faire voir. Non mais il est péruvien, Juan Pablo. Oh, je vous raconte pas, j'étais dans mon truc. Alors qu'est-ce que... Ah oui, j'ai foutu l'autre en tôle. Mais il m'a appelé ou pas? À qui dans ce cas? Ah, AI, c'est genre là-bas quoi. À qui, là? Bon, alors, attendez, parce que nous on était dans un sacré truc. Putain, il arrive dans 5 minutes. Je suis un peu timide là. Je sais pas si je suis prêt. Ok, 3. Oh là, des bidons d'alcool comme on en voit plus. Hein. Bon, il y a quoi d'autre là? Je peux monter devant? Oh là là, il y a tout. Hein. Ici, on l'a vu. Ici aussi. Ah ouais, ça, c'est le genre de truc. Non, mais là, il faut que je décharge. Hein. Faut que je décharge à fond. Y'a rien en toi? Ah, rien en toi. Ah, j'ai cru qu'il y avait un petit truc. Il lui manque un pare-choc, mais de toute façon, on n'en est plus là. J'ai vu, hein, ça, vous en faites pas. Ok, voilà. Je vais tout faire au couteau déjà. Ouais, le gars, c'est titanesque. Tout ce qu'il a caché. Salut, Maximov. Le gars, c'est un brigand, mais level max, là. Hein. Je sais pas si on se rend bien compte du brigand que. Ok. Et là, on a pris beaucoup. Hein. Là, honnêtement... Boum. Ah mais attends, faut que je libère vachement de trucs, là. Grenade. De toute façon, les munitions pour mitraillette, je m'en fous, j'en ai même pas. Le flingue, maintenant que j'ai 32 flingues, bon, on peut peut-être se léviter. J'ai aussi 32 munitions de tout type. Paquet de clopes, ok. Oh, bon, alors, qu'est-ce qu'on a, là? Tac, tac, tac. Tac, tac. Et c'est dehors ou ça a laissé? Ah, ça a laissé. Je savais que c'était là. Ok, Maximov, tu me libères ça. Oh, peut-être là aussi. Je sais pas si ça peut être le double... Non, tu vois, c'est que dans les... Ça dégoûte, ça. Y a pas assez dans les cargaisons, je trouve. Bien, viens, c'est pas très RP vu le jeu, dommage. Oh... Bon alors, du grass duck. Oh, il y a du monde hein, derrière en plus. Hein. Putain, là, c'est... Ah, on est à la mine, là. Hein. Salut, mon pote. Bon, non, c'est nul, toi. C'est vraiment nul, ce que tu proposes, là. Voilà pour toi. Dis-moi tout. Yegor, j'ai gagné ma vie avec le commerce. Me raconte pas ta life, hein, vraiment, je m'en fous. Hein. Non, je m'en branle. J'aurais pas dû mon... Ah, le parti se soucie de nous. Ah, lui, c'est un... Lui, il est à fond avec le parti. 4190 kilos, t'es à combien toi? 3480. Et t'as quoi là un peu? Je transporte rien? Ouais, t'as rien l'air de transporter. Petit check, sait-on jamais. Non, plutôt clean le camion. Hein. En vrai, c'est plutôt. C'est un gars de chez nous, hein. ZSJ. Il y avait pas un mec de la Caristan qui pouvait être chelou? Non, c'était plus là. Merde. Vas-y frérot. C'est bon pour moi. Tu peux y aller. Tu vas pas fermer la porte de la prison. Oh bah y'a un gars qui est payé juste à rester devant la porte. Donc je pense que si au pire il y a une évasion, il pourra peut-être dire « Eh oh, mollo, mollo, là, on ne sort pas de prison comme ça. » Osman Bazar. Osman... Hoffman Bazar. On connaît un qui va pas rentrer. Hoffman Bazar. Allez hop là. On n'a pas tous ton temps. Attends, peut-être t'as quel âge quand même? 43. Oula! Eh non, c'est 42. Allez, hop là. Directos. Allez, hop, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. J'ai 4000 dollars. Toi, tu m'as pas l'air d'être un contrebandier. Je vérifie quand même. Non, t'es pas un contrebandier, toi. Parce que là, on a beaucoup de gens, là. Hein. Putain, apparemment, la Caristan, c'est refuge, là. Damo, merci pour le prime. Bienvenue. Mozer Octopus aussi. À 120 balles. Ouais, je vois un petit feu abîmé. Je fais un petit tour direct. L'optimisation est magnifique. Hein. Là, direct, je vois quoi? Je vois un petit feu cassé. Boum. Noté. Saumon. Hop, saumon. Ciao, mon pote. C'était cool, en tout cas.
On a bien... Bah, Somon, Simon, Simog. Non mais mec, c'est un travail de n'importe quoi, t'as pas la même gueule, y'a rien qui va. C'est-à-dire que vraiment, juste par respect pour les douaniers au moins, y'a rien qui va mon gars, t'as trois blases différentes sur trois papiers différents. Ah non, on peut pas tolérer ça là. Faites attention à ça. 5 produits chimiques. Il a le droit, non? C'est 5 la limite. Attends, c'est quoi là? Ça c'est l'ampuvé ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis tellement dedans que je vois plus le diff, là. Ok, ça, c'est bon, ça. Tac, tac, tac. Peut-être ici. Un petit truc louche. Putain! Non, je pense que... C'est quelqu'un qui juste... je vais vérifier l'intérieur, mais... Ya estoy subiendo? Hola? No estás aquí, là. C'est quoi subiendo? Ça veut dire quoi, subiendo? Ah, il monte. Putain, il monte. Il nécessite des circuits. Attendez, parce que il y a des mesures à faire. Excusez-moi. J'en ai pour 2 minutes là. Il y a. J'arrive. Oh, c'est toute une histoire. Oh putain, c'est toute une histoire. Maximov s'est barré, putain. Oh là là. Oh, il y a eu des phrases espagnoles, mais maîtrisées, mais d'une manière... Quelque chose de... C'est beau, ça. Bon, alors attendez, qu'est-ce qui se passe, lui, là? Mais toi, tu t'en vas, toi. La revue a bien avancé. On a bien bossé, les gars. Là, c'est une quête secondaire, Juan Pablo. Maximov, il est parti pisser, il fait toujours ça, là. Lui, il était louche ou pas, là? Ah oui, c'était Simon, Saumon, tous les trucs. Bon, retourne dans la caisse, toi, déjà. On va pas t'arrêter, mais juste, tu vas pas passer, donc... Oh? Un chat? Un petit chat d'amour. Oh, lolo, viens là, mon amour, viens sur mon épaule. Voilà, qu'est-ce qu'on est bien, super. Ça a duré 2 secondes. Bébé, viens derrière moi. Oh, j'ai une bête d'idée. Viens là. Viens. Il n'y a que des quêtes secondaires aujourd'hui, je suis désolé. Non, tu veux pas, tu te barres. Bon, on n'avait que des quêtes secondaires, on n'en a réussi aucune. Journée de merde.
En fait, elle aime bien se mettre entre la chaise et mon dos, mais j'aurais dû faire ça direct, ça, elle aime pas, je suis con. Bon, toi, tu veux quoi? Toi, tu bouges, toi, tu ne passes pas, toi. En plus, t'as pas la bonne gueule. Ah si, mais je crois que je l'ai dit, ça. Non, mais Simon, y'a rien qui allait. Vraiment, Simon a fait aucun effort. Je suis à deux doigts de penser que c'était... Que c'était même un contrebandier. Et ça, ça me briserait le cœur, ça. Heureusement, on a un bon Grasdouk pour finir la journée. Et ça, c'est un Grasdouk plaisir. Ah non, 120, c'était bien, tu vois. J'ai bien fait le taf. Souren, c'est pas le max, hein, mais bon. Souren Baskiri, ok, ZJP. ZJP, Grasdouk, 24 décembre 80. Aïe. Coup dur, mon pote, 4190. J'ai des choses à vendre. Ah, pas mal, ça, par contre. 3880, t'as quoi à vendre? 61 balles la bouteille, on est où, là? On est où? Numéro de passeport? 7JP. Oh, moi je me suis arrêté trop tôt. C'est TA aussi. Bon, il a beaucoup trop de trucs d'alimentation. Ah non, c'est 6 le truc d'alimentation. C'est bien 6, hein. C'est 6, donc c'est tout pile. KGB. KGB en plaque d'immatriculation. Bon, on va le... On va faire attention parce que c'est peut-être... C'est vrai qu'ils font pas trop ça de... De pièges. Dans le jeu chèque, par exemple, sur Paper Please, il te faisait pas mal de pièges, t'es en mode... Le gars, il faisait genre, c'était un réfugié, tu devais l'aider et tout, et si tu l'aidais, en fait, le mec te niquait en mode, bah non, je suis pas réfugié, c'était un test. Après, Paper Please, c'était vraiment le jeu GOAT, quand même. Comme en plus, Paper Please, c'est sorti il y a hyper longtemps, non? Bon, après, c'est pas du tout la même, parce que ça demande pas les mêmes choses en termes graphiques et tout, ils se sont donnés sur... Sur pas mal d'autres choses, quand même. Baril à poisson 3, caisse de pommes. Il a voulu nous glisser une petite caisse de pommes en plus. Alors qu'en fait, il passe pas du tout. Liste des cargaisons pas bonne et du coup, règlement d'entrée pas bon. Allez, c'est ciao, ça. T'as pas besoin de sortir, en fait. C'est la classique où Maximov n'a juste pas fait son taf. Maximov, il est déprimé en ce moment. Maximov, c'est petite ambiance, hein. Ah, c'était qu'un mec à Paper Please, je savais plus. Tout le monde, Yo Domingo, les 100 points se rapprochent. Just Roll, merci beaucoup. Ah, c'est la caisse de pommes qui coûte cher, hein. Non, bah après, il y avait numéro de passeport, date d'expiration. Lui, il était foutu, quoi qu'il arrive. Lui, à sa place, honnêtement, il pouvait envoyer beaucoup plus, hein. Quoi, un goat? Ou bien le goat? Je connais la traduction, mais je capte pas. GOAT, c'est genre censé être God of all time, quoi. Donc c'est genre le boss d'un domaine. Après, c'est utilisé un peu dans plein de domaines. Voilà. Paper Please, c'est le gars qui... Si, c'est Return of Obra, ouais. Eh ben, top, c'était le dernier. Bon, on peut pioncer. Je vous propose d'arrêter là, les frères. Parce que Greatest... J'ai dit quoi? Ah, j'ai dit God? Ah oui, c'est Greatest of all time, pardon. Ce qui fait que t'en as vraiment qu'un. Excusez-moi. Je vous propose de stopper là pour aujourd'hui, parce qu'on a bien joué aujourd'hui. Et comme c'est un jeu focus, là, je sens que je suis un peu moins concentré. Donc ensuite, si je check pas bien les passeports et tout, à quoi bon jouer à ce jeu? Voilà.